fusion. Allez, il faut que je le fasse. Je vais appeler Finn pour la convaincre. Hop là, petit bug. Enfin, petit bug. Petit spoil. Bienvenue pour la rediffusion de ce nouveau live sur Spider-Man Miles Morales. Alors, toujours sur PlayStation 4. D'ailleurs, j'ai eu un petit j'aime pas dans ma découverte. Je tenais à remercier la personne qui a mis un j'aime pas parce que ça favorise l'algorithme de YouTube. Donc, merci à toi. Et je voulais également vous dire que bah là on est en plein mode histoire et il y aura du spoil en fait. Donc voilà, pour les gens qui ne veulent pas se faire spoiler, on va continuer le mode histoire. On est, je dirais, on est à peu près à la moitié du mode histoire. On va d'abord faire quelques missions, une ou deux missions secondaires. Et après je ferai la suite du mode histoire. Donc voilà. Écoutez. Oh putain, j'ai pété mon oreillette et ma manette. Génial! Vous voyez un peu le bruit? Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut encore faire mieux, je dirais. Je peux encore casser ma télévision en même temps que je casse ma manette. Mais on n'y est pas encore là. Peut-être demain, on verra bien. Hop. Ok. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc il est 23h. Je vais jouer pendant peut-être une heure ou deux, on verra bien. Et rejoindre l'underground. Salut Miles. Donc, je vous préviens un spoil, hein, au cas où. Ça va? Ouais. Pourquoi? Oh, j'ai vu pour le meeting de ta mère aux infos. On n'a rien. T'aurais le temps d'aller prendre un café? Je peux le prendre. Il y a un café sympa sur Edison, près de la tour Fisk. Ils font pas des œuvres d'art avec la mousse, mais au moins, les gens prennent pas leur latte en photo. Ça change. Ok, rendez-vous là-bas. Allez, bientôt je ferai partie d'un dangereux groupe de criminels. Tout va bien. Ok les gars, alors je ne ferai pas de review hein, de ce Spider-Man Miles Morales. Il y a quelques potes qui me demandent qu'est-ce que j'en pense. Bah, au cas où, bah, je vais vous dire mon avis maintenant. Si vous avez aimé le Spider-Man de la PS4... Enfin, le numéro 1 quoi, eh bien vous aimerez ce Spider-Man là, c'est le même gameplay, c'est le même principe. Salut les amis, apparemment Monsieur Jameson a appris que j'étais, je cite son producteur, une groupie de Spider-Man. Et maintenant, il voudrait que je débatte avec lui. C'est tout simplement le même jeu quoi, donc voilà. Mis à part que là on contrôle un autre personnage, le jeu reste le même, donc si vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là tout simplement, voilà. Je vois pas d'autre chose à dire, mais en gros voilà, c'est vraiment ce que je pense. Et qui sait, peut-être qu'on apprendra des choses. La semaine prochaine, je publierai un montage du débat avec Triple J, et je mettrai la transcription complète sur mon blog. En attendant les amis, investissez dans des filtres bleus si les écrans vous donnent mal au crâne. Salut! Par rapport à ma tenue, c'est pas moi qui l'ai choisie, hein. C'est vraiment le personnage qui a choisi celle-là et du coup je la garde. Elle est plutôt sympa, donc voilà. Salut! Vous avez un problème de chat? Oui, mon chat Vector s'est enfui quand je suis allé chercher le courrier. Tenez, il adore ce sac. Si vous le trouvez, il rentrera dedans direct. Un sac pour chat. Je connaissais pas. Vous avez un objet avec l'odeur de Vector? Oui, voilà. Son jouet préféré. Mignon. Un petit scan. Et voilà, j'ai une piste. Attendez-moi, je vous ramène Vector. Allez. Là-haut, sur les bus scolaires. Il est agile, le petit. Mais c'est... Ouais, un rat mort. Cool pour Vector, moins cool pour le rat. Mais je suis sur la bonne piste. Il est allé sous le bus. Allez, toi. Ça continue plus bas. Oh, faites le truc avec la main. Spider-Man, il a la classe. Je suis gelé de chez gelé. C'est sympa quand même comment les gens. Ça, j'avoue que je le fais pas assez. Peut-être que je le ferai après. Parce que je le fais vraiment pas assez.
Mais le fait de me balader comme ça un peu dans la ville en fait. J'y vais. C'est ça l'esprit des fêtes de fin d'année. J'irai voir ça après. Jusque dans les égouts. Merci, mais je crois que je vais le suivre depuis la rue. J'espère que son propriétaire aime les parfums rats crevés et fleurs d'égout. Ah bah tiens, bah du coup on va le faire maintenant, hein, vu que là la mission c'est de suivre un chat. C'est sympa, ils ont fait le même détail que dans Mafia là, regardez, avec le clignotant. C'est sympa. Bon, c'est qu'un détail, mais j'aime beaucoup. Là, regardez. À plus tard, Spidey. Bon, l'IA est vraiment débile, hein, ils savent pas comment faire là. Mon copain ne croira jamais. Ah, c'est vachement sympa là, regardez. Le clignotant. J'espère que le temps va vite se réchauffer. Vas-y, Spidey. Change rien, Spidey. Donc, pour les gens qui savent pas, hein, ça c'est par rapport à Spider-Man 3. Voilà, c'est exactement ça. En fait, quand il est en mode dragueur, quand il est en mode je drague toutes les filles de la ville, bah il fait comme ça. Ça roule, Spider-Man ! Comment t'arrives à t'échauffer avec une tenue pareille ? Pour les gens qui n'ont jamais vu le 3, un film vraiment très très bon. Et d'ailleurs, on retrouve la tenue noire que porte. Bon, c'est pas la même, hein, mais ça ressemble à peu près. La tenue noire de Peter Parker. Tiens, la bonne piste. Il est sorti par là. Ça m'épargne une balade dans les égouts. Mon costume se serait jamais remis de cette odeur. Il a dû passer par la sortie de secours. Joli saut, chaton. Alors, est-ce qu'on doit aller là? Tout en haut? Ouais, je redis, ce que j'aime bien, c'est voir les intérieurs, en fait. Ça, c'est vachement sympa, encore une fois. Ça, c'est vachement sympa. Je sais pas comment ils ont fait, mais... Parce qu'il y a encore des jeux aujourd'hui, bon, très très rares, hein. Il y a beaucoup plus de jeux où on peut voir des intérieurs, mais on a encore des jeux où on voit pas les intérieurs, en fait. Le collier de Vector. Encore chaud. Je me rapproche. Et donc c'est cool que des jeux proposent de voir les intérieurs, quoi. Ça, c'est vachement sympa. Allez, go. Il s'est faufilé sous cette climatisation. Je dois ramper. Vector, bouge pas, Minou. Voilà. Allez, viens ici, enfoiré. Je t'ai trouvé. Allez, dans le sac. Oh la vache. On peut dire que tu sens vraiment New York maintenant. Pouh. C'est l'heure de rentrer maintenant. Mais j'aurais bon, on le voit derrière. Ah, c'est vachement bien, là, regardez. Ah, c'est vachement cool. On a le chat derrière nous. Ah, c'est trop bien. C'est trop mignon. Tiens bon, Vector, on est presque arrivé. J'ai jamais eu aussi froid. Oh, c'est trop sympa. Ah non, mais moi je le garde, hein. Ah non, mais moi je le garde, les gars, moi je m'en fous. Attendez, je vois où il est parti en bas. Putain, plus tard, Spidey. Oh, mais c'est énorme. Ils ont carrément fait une animation du chat. On arrive bientôt. Maman va pas le croire. Attendez. Oh, le con de chat. Putain, il est parti. Oh, c'est trop bien. Ah, franchement, oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Ah, ben je suis content de vous le montrer en live. Ça va là-dedans, Vector. Oh, putain, c'est trop bien ça. Trop sympa. Alors, est-ce que c'est je me balade du coup? Oh, c'est trop bien, putain, c'est trop cute. Trop sympa. Trop sympa. Ah non, mais moi je le garde, hein. Je garde ce chat. Oh, oh, oh punaise. Et j'ai l'impression d'être sur un siège massant. Ça fait bizarre. Je garde ce chat. Il est tout mignon. Ah, oh, putain, il est trop beau, ce chat. Vector, hein? Sympa comme nom scientifique pour un chat. J'espère que t'apprécies mes efforts pour garder un mouvement de balancier fluide alors que mon centre de gravité est décalé. Ça, c'est de la physique, mon pote. Ce chat est merveilleux. Je veux ce chat, en vrai. Je veux ce chat.
Bon, allez, on va le rendre à son propriétaire, mais franchement, avec un peu d'amertume, hein. On va le rendre, allez. Ah oui, bah oui, bah oui. Il est trop beau, j'ai pas envie de le donner. Oh, ouais, tant pis. On va lui rendre. C'est comme ça. Oh, mais non, il est trop beau. Attendez, je vais faire une photo. Parce que là, je suis obligé. Là, j'ai fait une photo en 2 petites minutes parce que. Voilà, hop. Voilà. C'est obligé que je fasse une photo du chat. Allez. Et voilà. Merci. Oh, la vache! C'est quoi cette odeur? Je connais un petit chat qui va avoir droit à un bain. Il est mignon. Allez, on Il vient rentre. d'eux, mais il est vraiment chou. Il est parti? Il est. Oh non, il n'y a plus de chat. Oh bah tant pis. Vector, il est parti. J'ai reçu une nouvelle requête d'araignée sympa du quartier. Bah écoutez, merci Spider-Man. Bah je vais faire ça. Hein. D'après l'appli, il y aurait un cadeau qui m'attend. Je vais aller voir ça avant qu'on le vide. Franchement, les sensations de balancier sont vraiment sympas, j'aime beaucoup. Très bonne sensation, très bonne. Très bon mouvement, voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Après. Après, comment dire, ouais, les sensations sont vraiment très, très bonnes. Après. Après, ça change pas par rapport au premier, voilà. C'est pas un point négatif, hein, loin de là. Mais je rêve ou je me fais attaquer là? Black Life Matter. C'est pas une connerie. Je peux me gourer, les gars, hein, mais. Black Life Matter, c'est pas un truc par rapport au. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Krieger. Tu me laisses finir ma phrase. C'est pas un truc par rapport au noir là qui est mort il y a quelques mois maintenant. Hein. Qui est mort du coup tué par un flic. Tué par un flic quoi, voilà. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont fait des hommages, même dans le football. Hein. Responsable R&D chez Roxxon Energy. Donc Monsieur j'imagine que c'est Krieger, ça. vous avez vanté les mérites de vos réacteurs à Uniform, dont le premier sera bientôt mis en service à Arles. Et pourtant. Je vous avouerai, je suis pas très fan. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à faire dans un jeu vidéo, ça. Vraiment. Je trouve que dans un film ou dans un jeu vidéo, enfin, encore dans un film, mais dans un jeu vidéo, ça n'a rien à faire là, quoi. Un jeu vidéo, c'est pas de la politique. C'est un jeu vidéo. Donc. Quand c'est bien fait, mais là, c'est vraiment. Enfin, je sais pas. Écoutez, bon, pas très fan. Vous avez des détracteurs. Tout d'abord, Jonah, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un plaisir d'être invité dans votre émission. Voyons un peu. New York, qu'est-ce qu'on a? Il y a d'avoir un Spidey comme toi, merci de nous protéger des alliés sympas du quartier. C'est là qu'on a une. Ouais, voilà, Black Lives Matter, ouais, voilà, putain, c'est vraiment que. Oui, mais les gars, c'est bon, putain, on l'a vu, quoi. C'est bon, hein. Ah, on a une nouvelle tenue. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Putain, là, d'accord, c'est la tenue de Black Lives Matter, alors. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la garde ou est-ce que je l'enlève, quoi, franchement, parce que. C'est vraiment pas de la politique. Enfin, moi, je trouve que ça n'a rien à faire là, quoi. Ça n'a rien à faire là, vraiment. Quoi. Écoutez, je la garde parce qu'apparemment, ça fait des dégâts en plus, d'après ce que j'ai vu. Faut que je regarde, mais apparemment, ça fait des dégâts en plus. Non? À moins que j'ai mal vu. Hein. Attendez, on va regarder ça. Alors, utiliser ce mode pour plonger, non?
Énergie résiduelle après une attaque, on s'en fout. Ça j'aime bien au pire. Ça j'aime bien. Hop, voilà. Bricolage de lentilles, nouveau trophée. Non, je crois pas que ça améliore les dégâts. Mais écoutez, on va le garder pour prouver que j'ai fait des quêtes secondaires, mais franchement, ça m'intéresse pas non plus des masses. Hein, mais bon. On va le garder quand même. Ah, mais voilà comment est-ce qu'on améliore. Putain, je sais même pas comment faire, bordel. Bah, c'est bon. Alors, on va faire comme ça du coup. Voilà comment on fait, c'est bon, j'ai compris maintenant. Hop, les mines, on s'en fout. Holodrone, je m'en sers pas beaucoup, mais c'est utile, je pense. Pas très envie. Les mines, je m'en sers. Oh, bah, après, c'est plutôt utile, peut-être. Allez, on va s'en mettre au moins une fois. Voilà. Voilà, pourquoi pas. Les puits. Alors, ça, par contre, ça ne sert à rien, je m'en sers pas. Mais ça, on peut l'améliorer encore un tout petit coup. Et là, on peut pas l'améliorer. Et ça, on peut l'améliorer encore un coup. Voilà, on est bien comme ça. Parfait. Parfait, voilà. Ah, je peux améliorer un point de compétence. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez, pourquoi pas. On s'active ça. Là, c'est quoi ça? Maintenez pour saisir et lancer des armes imprégnées de puissance bioélectrique. 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 J'avoue qu'en doublage, c'est pas simple à dire. Puissance bioélectrique. Bon, là, je vous le dis de manière simple, mais quand on fait un doublage avec une voix spécifique, à mon avis, ce mot, il doit un peu casser les couilles. Bioélectrique. Bioélectrique. En éliminant des ennemis avec des attaques bioélectriques, le coup final ne coûte pas d'énergie de camouflage. Je n'ai pas très envie. Agrandit la zone d'effet de l'électromarteau. Je sais pas ce que c'est l'électromarteau. D'accord, je m'en sers pas du tout de ça, je vous le dis, je m'en sers pas du tout. Trois touches à retenir, c'est trop pour moi. Ah, je vous le dis. Plutôt faire ça au pire. Voilà. Et en collection, on a quoi en collection? Des conneries. Archives d'état et fait. Ça c'est quoi? Ah ouais, d'accord, c'est l'autre con là qui parle, ok. D'accord. Ça on s'en fout. Personnage, donc c'est tout ce qu'il y a à lire. Technique, on s'en fout un petit peu. Et le Twitter. Ok, bon. On va faire pilleur, les gars, parce que je l'ai jamais fait. Je vais voir ce que je peux faire. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, du coup, on va le faire. Hein. Bienvenue à celui qui a rejoint le live. Je te connais pas, mais bienvenue. C'est quoi ça en bas? Bonjour. On retournera jamais au rap, Spider-Man, jamais! Écoute-moi, laisse ces gens partir. On peut régler ça calmement. T'es un homme mort. Attendez, je vais embrouiller les pinceaux. Si t'es malin, ouais, vous avez le droit de dire que je joue mal, y a aucun problème. Les fixants
prisonnier est neutralisé. Combien il y en a encore qui traînent dans la nature? Oh, la peur que j'ai eue! Ouais, j'étais en train de me dire que le jeu est très très beau, mais après. Donc, là, on n'est pas sur la version PlayStation 5, donc du coup, je peux pas vous dire exactement si le jeu est une merveille, mais. Déjà sur PS4, le jeu est vraiment très beau. Truc là, c'est quoi ça? Salut les amis, mauvaise nouvelle. Le Fist Nord, l'antenne de Harlem, a fermé ses portes. On sait pas bien pourquoi, mais il paraît qu'une inondation rend le bâtiment insalubre. Si vous pouvez donner de l'argent, des couvertures ou de la nourriture pour aider les résidents, ce serait super. Le conseil du jour, pensez à mettre du papier au fond de votre poubelle pour absorber d'éventuelles fuites. Un livre de J. Jonah Jameson, par exemple, fera parfaitement l'affaire. Ciao! Ciao! Ah, attendez, j'ai vu un truc là. Comment ça marche? J'ai vu quelque chose, comment ça fonctionne? Ah voilà, ok. C'est sympa ça. Ah d'accord, et on gagne de l'énergie en faisant des conneries comme ça. Et du coup, l'énergie nous permet de faire le saut après derrière, d'accord. Sympa, sympa, j'aime bien. C'est sympatoche. Bon alors, il y a quoi là? Spider-Man! Je suis juste là. Hein? Mais non, pas toi, mon chat. Il porte le nom du vrai Spider-Man. Je viens de me faire cambrioler par une bande d'ordures. Et ils m'ont pris mon Spider-Man aussi. C'est horrible! Vous savez vers où ils sont partis? Je les ai entendus dire qu'ils allaient s'en prendre à la sous-station électrique, à côté d'ici. Je vais les retrouver, et votre chat aussi. Ok, petit. Fais ce que tu peux. Dans ce jeu, on est un petit peu le chasseur de chats, quoi. Spider-Man. Je devrais appeler Ganky quand je serai sur place. Qu'est-ce qu'ils iraient faire dans une centrale électrique? Bah, à ton avis, à part foutre la merde, je vois pas trop, hein. Je peux entrer par là. Oh, attendez, ça me rappelle quelque chose, des ça. Des types ont cambriolé la bodega de Théo et après, ils sont allés à la centrale électrique la plus proche. Chelou, je t'écoute. Je suis ta retransmission en direct. On dirait un niveau qu'on avait dans le premier. C'est-à-dire que il y avait des niveaux comme ça où est-ce qu'il fallait qu'on se fight contre des mecs. Mais je me rappelle plus trop. Hein. C'était un peu compliqué quand même, je me rappelle. J'avais du mal au bout d'un moment. Spider-Man, t'es ici? Je sais pas qui c'est qui peut appeler son chat Spider-Man, mais bon. Chacun ses problèmes après. Il tire sur les transfos? Ok. Trop mignon quand il dort. Ils sont trop mignons quand ils ferment les yeux. J'ai jamais participé à un projet comme ça. C'est parce que t'as jamais... Ah, attendez! Celui-là était Mikao! J'aime pas être à découvert comme ça. Ah.
Merde, c'est le con. Mais non, je pensais que j'avais encore mon... Mon camouflage, c'est pas grave. Le patron a dit que personne devinerait ce qu'on fabrique ici. Franchement, on se donne trop de mal pour rien. Eh, vous aimez pas les ou quoi? Vous pouvez pas vous en tenir au crime classique comme laissez tomber. Le débit de cette station est tombé à 64%. Essaie de trouver un système de secours. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, un système de secours, c'est quoi ce truc? Un système de secours. Trouver un moyen de quoi? De charger les systèmes de secours. Bah comme ça. Bien vu pour les systèmes de secours. T'es fort en truc de héros. Non, je suis juste un spectateur. Faut que je retrouve le chat de Théo. Le chat de Théo, le chat de Théo. Spider-Man est dans la cage d'ascenseur. Attendez, faut que je retienne le. C'est bon. Je viens de chercher les Spider-Man. Tiens bon. Bon, j'ai compris. Pas comme ça. Alors j'essaye. Franchement, les panoplies de mouvements sont juste dingues. Attends. J'adore cette panoplie de mouvements. Y'a un commentaire ou pas les gars, j'ai pas vu. Non. Je crois savoir ce que veulent ces types. Il y a une banque dans cette rue. Pas de courant, donc pas de sécurité. Donc, si on rétablit le courant, on empêche un braquage? Empêcher les crimes avant qu'ils soient commis. Dans un monde où deux héros peuvent voir l'avenir, eux seuls peuvent faire régner la justice. Bon allez, faut que je me concentre. À mon avis, c'est une référence, mais je sais pas à quoi. Je suis pas un pro des références non plus, les gars. Pourquoi le patron veut s'installer ici pour être trouvé mieux? Regarde dehors, Harlem est dans un sale état. Le patron sait reconnaître les bonnes opportunités. Le patron, c'est qui le patron? Comment ils t'ont choisi pour ce boulot? J'ai déjà travaillé pour lui. Et toi? L'ami d'un ami. C'est un de mes rêves qui se réalise de bosser pour ce type. Lui au moins, ça traîne jamais. Je te le fais pas dire. C'est pas le Joker, non, par hasard? Je te raconte le boulot que j'ai fait. Oula, on est où là? Ah, mauvaise idée. Fais gaffe, il y a suffisamment de courant pour te faire frire comme une huître. Ça, il m'a vu en plus? Me faire frire comme une huître? Bah, où t'as vu ça, toi? Quoi? Bah, ça se fait de frire les huîtres. C'est super délicieux. Ouais, bien sûr, des huîtres. Mais tu le comme ça? Mais d'accord, les gars, c'est merveilleux. La perte de temps. Oui, merci beaucoup. Au revoir, merci. L'infiltration est quand même un petit peu ratée, excusez-moi, mais... Dans le premier, dans le vrai jeu, c'était un peu plus réussi, je trouve. Là, c'est un peu compliqué. Heureusement que le gameplay est sympa. Tu m'échapperas pas. Aouh. On se fait démonter le gosier. Tiens la cible. Joué. Tu l'auras bien cherché. J'ai quelque chose pour toi. On dirait que quelqu'un les paye. Tu crois que c'est... Qu'est-ce que... Plus de courant du tout. Je m'en occupe. Activation de l'éclairage de secours. C'est bon, tu peux rétablir le courant en chargeant les autres systèmes de secours. Ça marche. Alors, qui est notre mystérieux braqueur, à votre avis? Moi, je dirais que c'est le Joker. Hey,
personnes pour braquer une centrale électrique. Bon, c'est la joue en mode furtif, les gars, mais putain, c'est ça court à chaque fois. C'est toi qui as lancé le circuit de secours ? Croyais que c'était toi ? Non, c'est peut-être un ouvrier de la station. Ouvre l'œil. Bon, là, on est bien, là. Là, si je le tue, c'est bon ou pas ? Eh non, les gars, là, ils vont... Mais comment voulez-vous faire le mode furtif, franchement ? Pourquoi on continue de le couper ? Pour être sûr que c'est bien fait. Après, tu crois qu'on a pas fait le boulot ? Non. Alors, qui le croit ? Attendez, qui le croit ? Qui ça pourrait être ? Qui le croit ? Bah, c'est pas le Joker, les gars, c'est impossible. Oh, j'aurais dû faire médecine. Quand on aura touché notre part, tu pourras te payer. Parce que le Joker, déjà, c'est d'ici, les gars, je sais très bien, mais bon. J'ai dit à Jimmy de pas manger cette neige. Après, dans l'univers de Spider-Man, en ennemi, je connais pas grand-chose. Hein. Moi, je connais que le premier, du coup, avec le... C'était le Baron Vert, je sais plus. Non, c'était le Bouffon Vert, pardon. Le Baron Vert. Dans le 2, c'était qui dans le 2 ? Je me rappelle même plus. Dans le 3, je sais que c'était l'Homme des Sables, là. Oh, mais les gars, c'est impossible, le mode furtif, c'est une perte de temps. Et dans le 2, c'était qui dans le 2 ? C'était aussi... Ah, mais dans le 2, c'était... C'était le docteur, je crois, je sais plus qui. Enfin, je me rappelle plus. Voilà. Dans le 2, je me rappelle plus. Dans le premier, c'est le Bouffon Vert. Dans le 2, c'est... Je me rappelle plus. Je crois que c'est un... C'est peut-être le même, d'ailleurs. Et dans le 3, c'est... Bah oui. Dans le 3, c'est l'Homme des Sables et du coup, le Bouffon Vert numéro 2. Du coup. Bon les gars, le mode sportif est à chier, on y va. C'est l'heure de la sieste. Les gars, salut ! C'est qui votre patron ? Quelqu'un que je connais ? Donne tout ce que t'as ! C'est le Joker, on te dit. Il est à moi ! Il est Joker. Oh, mais sérieux ? Qui a organisé le braquage ? Ça va même pas dans les règles ! Tu vois, je t'avais dit qu'on aurait dû se barrer, mais non ! On dirait moi, putain. On dirait moi. Le mec qui s'énerve à chaque fois. Faut que je trouve le système de sortie. Ok, je dois avancer. Trouver le générateur principal et le réparer. Des moments, je m'impressionne à moi-même avec autant de conneries. Ils n'arrêtent pas de parler de leur patron. Que je peux faire ? T'as une idée de qui c'est ? Il y a un paquet de monde qui veut braquer des banques. Bon, j'aurais essayé. On te dit que c'est le Joker. Voilà le coupe-circuit. Je vire ces types et je vois si je peux le réparer. Donc là, c'est sûr. Hein. Quelqu'un essaye de saboter le travail. Tu m'étonnes. Le patron a beaucoup trop d'ennemis. Ouais, mais il les écrase à chaque fois. En fait, c'est possible. Non, pas tous. Spider-Man, par exemple. Celui qui a organisé ce braquage connaît bien Spider-Man. Mais pas dans le bon sens. C'est forcément l'autre. J'ai pas tant d'ennemis que ça. Pour l'instant. T'es tellement optimiste. Attendez, Spider-Man, qui il a comme ennemi ? Spider-Man a des tasers à tête. Tu crois pas que c'est Spider-Man qui essaye de saboter notre boulot ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mais en fait, le patron le déteste. Et je crois bien que Spider-Man le déteste tout pareil. Peu importe. On a un boulot et on va le finir. Le patron le déteste. C'est sympa ça de se faire une idée de qui c'est. De qui ça peut être. À mon avis, c'est peut-être le Bouffon Vert. Hein, loul. Les gars, je sais pas du tout, franchement, qui ça peut être. Alors là. Peut-être quelqu'un qu'on a vu dans le premier et du coup je me rappelle plus. Eh ben, je sais pas. Écoutez. Je suis bloqué. Ça serait pas... Bah non les gars, ça c'est encore dans l'univers de... C'est peut-être Deadshot. Je sais pas, écoutez les gars, j'en sais rien. J'invente. Deadshot. Je crois pas que ça soit... Bah non les gars, parce que Deadshot c'est pas... Bah, écoutez, je ne sais pas. Bah, en tout cas, c'est bien quelqu'un, mais qui... Ah.
laisser une trace. Ils vont boire. C'est fini pour Flas. Tant pis. Bien joué pour un. Merde. Chopez-le. Prends ça. T'es morbeux comme toi. Je m'en fais trop, petit-déj. Joué. Chopez-le. Je peux plus bouger. On va continuer comme ça. Voyons le disjoncteur. Alors, qui est le patron? Est-ce que le patron, c'est le patron? Je sais pas. Le patron, c'est le patron? Mince, le tableau est pas alimenté. J'ai besoin d'un générateur. Calme-toi, ça va aller. Arrêtez de faire des bruits comme ça. Tu vas arrêter, oui. Okay. Bah c'est à côté, non? Est-ce que je dois aller là? Je comprends pas. C'est parti. De quoi c'est parti? Qu'est-ce qu'il a lui? C'est parti. C'est parti quoi? Ah d'accord. Ok. On va tac et après. Bah après c'est bon. C'est fini. Attendez, je sais pas quoi faire là. C'est fini là? Je comprends pas. Non, c'est pas fini. Putain, j'ai horreur des énigmes, hein, c'est dingue. J'ai horreur des énigmes. Je n'aime pas les énigmes. Les énigmes, c'est de la merde. Je n'aime pas les énigmes. Ah, attendez. J'ai compris. Fallait juste que je lise en plus. Porte quoi des fois? Ah non. Utilisez votre puissance. Bah alors je l'ai fait. Ah non mais là-bas en fait, d'accord. Eh oui, je suis con. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis con, hein, c'est comme ça. Il faudrait réorienter le courant. Faut actionner le disjoncteur. Que la lumière se... Derek? C'était toi, Derek. T'entends ça, Derek? Spider-Man? Hein? Tu l'auras pas! Tu sais pas qu'il faut laisser les animaux s'habituer à leur environnement? Oh putain, allez, je le connais pas du coup. Du coup, on va mettre les drones. Il est cette petite frère, restez concentré. J'ai que mon tour de chauffe. Fais en courir. Cheese. Au, au, au. T'as vraiment mal choisi ton. Pourquoi? Prends ça. Entends ça, Derek? Maman,
Bon, Spider-Man, il est où? Sans se planter cette fois. On y va, Spider-Man. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore cette idée là. De mettre les chats dans le sac là. C'est une trop bonne idée. Regardez! Non, mais franchement, c'est trop bien. Allez, photo. Direct. Non, putain, il est parti. Oh l'enfoiré. Putain, il est parti au moment. C'est moi. Attendez. J'ai rétabli le courant, empêché le braquage et sauvé Spider-Man le chat. Petite journée tranquille. Je vais mentionner ces types et leur chef sur l'ASDQ. On en apprendra peut-être plus sur qui on a affaire. On se rappelle. Ouais, mais attends, moi je veux que Spider-Man remonte sa tête là. Voilà, merci. Oh non, attends, ne bouge pas. Voilà, c'est génial ça. Et on sauvegarde la photo. Voilà, petite capture d'écran sympa. Allez go. Ouh, super, aucun temps de chargement. Je tiens à dire quand même un truc, ce jeu n'a quasiment aucun temps de chargement. Ça c'est quand même incroyable. On y est presque. Je tiens à vous le dire on quand y même. Est presque. C'est là qu'on voit quand même qu'on arrive dans une nouvelle dans une ère. Qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère hein, parce que franchement, tu vas pas aucun temps ton papa. T'inquiète pas. Aucun temps de chargement dans une map aussi belle et avec un gameplay aussi bien fourni. Bon, il y a quelques bugs, tu oui. Calme, bon, Spider-Chat. T'es un champion. Mais franchement, c'est là qu'on voit qu'on arrive dans une nouvelle ère hein, vraiment. Nouvelle ère du jeu vidéo. Hey, t'as pas intérêt à vomir dans mon sac. En tout cas, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Insomniac Games sont vraiment des génies. T'as pas froid habillé comme ça? Bon, non, ça va. Ils sont vraiment des génies hein, parce que c'est vraiment un très 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 bon jeu, je trouve. Spider-Man, est-ce que t'as un système de quoi? De chauffage? Non. Pourquoi j'aurais un système de chauffage? Cool. T'entends ça, Derek? J'aurais un système de chauffage. T'entends ça, Derek? Ça me fait marrer. Pour les gens qui ont... Ah ben non, du coup, vous avez... Ah oui! Vous avez peut-être vu mon live de 13, hein. Enfin, je pense pas. Là, je parle à personne. Mais bon, au cas où, si quelqu'un écoute la rediffusion, t'entends ça, Derek? Ça vient de 13. Tu ne t'habilises pas à cliquer des trucs à l'underground. Non, ça va. J'adore. Vous suivrez jusqu'au bout du monde. On compte sur toi, mon Spider-Pot. Il va falloir faire mieux. Mon Spider-Pot. Non, mais sérieux ? Dégage de ma tête ! Putain, c'est énorme. Attendez. Ah, j'aurais où il n'y a personne là qui conduit. Ah, c'est dommage. Là, regardez, il n'y a aucun conducteur. Oh, il n'y a aucun conducteur? Non. Harlem s'est toujours pas remis de la crise du souffle du diable. Oh, il n'y a aucun conducteur. Oh là 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 là, j'ai jamais remarqué. Il n'y a aucun conducteur dans aucune des véhicules, non? Ah, si, là oui, je crois. Là oui. Mais là, il n'y a rien, là, attendez. Ah, si, il y est. Ah, si, il y est, pardon. J'ai rien dit. Tu vas la fermer ta gueule. Hey, alors ça va? Tout changé en... Je me sauve. J'ai des objectifs à atteindre. Ce qui a marqué là? Hey Spider-Man. Ouais. Système de chauffage dans ta vie ou quoi? Ouais. Attends, tu veux que je te monte ma bite? Tu vas voir comment je vais te chauffer moi. Parce que j'ai une bite en béton. Alors, on y va, on va rendre le chat. Hey Théo, j'ai une surprise pour toi.
Quoi donc? Bah le chat. Oh, comme il est beau Spider-Man. Le con. Oh là là, mais qu'il est beau, c'est ton cul. Alors t'es encore parti draguer? Non, pas de gros mots, mais oh putain. Oh, t'as failli me faire une crise cardiaque. Ouais, t'es un vilain, vilain chaton. Ah un oui, t'es un vilain chaton. Vilain chaton. Ah ouais. Bien joué l'autre Spider-Man. Merci. Ouais. Pas de quoi. T'es un vilain chaton, toi. Hey Ganky, alors on a des infos sur le boss des voleurs de chats? J'essaie de recouper des incidents qui pourraient avoir un lien. Oh là là. Des cambriolages dans la rue commerçante de Harlem et un truc qui est arrivé au Fist Nord. Je publierai sur l'appli quand j'en saurai plus. Qu'il est beau, putain, qu'il est beau. Oh là là. Qu'il est beau. Il adore se faire caresser. Il est trop mignon. Ah oui. Moi je dis qu'on attend que la nuit tombe, on vient et on vole le chat. Oh, j'adore Spider-Chat. Bienvenue au club, gamin. Ah, je peux plus. Ah putain, je peux plus. Bon, tant pis. Salut les amis et bienvenue dans le DaniCast. Vous le savez peut-être, je soutiens officiellement la candidate Rio Morales aux prochaines élections spéciales. Et aujourd'hui, je l'interview. Bon, on y va. Oui, ravi de vous avoir, Madame Morales. Merci de m'avoir invitée. J'adore votre émission. Ah, attendez, j'ai d'autres missions. Oh, merci. Vous vous présentez contre le candidat sortant de votre quartier. Que pensez-vous faire de mieux? Contrairement à mon adversaire... On va faire ça. Des voleurs ciblent le commerce de Harlem. Ça pourrait être les mêmes qui sont sortis à la bodega de Théo. On va les faire, les gars. La quête principale, on va la continuer. Mais là, j'ai trop envie de faire ça, du coup. Donc, on va le faire. Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Ah, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien. On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé? Bien sûr, mais personne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit. Je la retrouverai là-bas, je me rendrai utile. Merci Spider-Man, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. T'inquiète. Allez, on y va. Hey Ganky, je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb Splinket, c'est Panafuerte. Oh, j'adore Panafuerte. T'as compté leurs arrêts passés. Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super-héros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouve les marchandises volées, qui les a volées, et vois s'ils ont un lien avec le cambriolage à la bodega de Théo. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes. C'est le centre de distribution du quartier de Caleb. On y va. La police? Qu'est-ce qui se passe? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée? Grâce à une caméra au score. Camilla Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon dieu. Ils ont kidnappé Camilla. Je dois essayer de la retrouver, mais la police ne va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices... Attendez, ouais, mais là, le camouflage, il dure pas non plus... Camilla ne s'est pas laissé faire. Faut que je découvre où ils l'ont emmené. Un ticket de parking. À Chinatown. Ok. Mais où ça, à Chinatown? Spider-Man, vous êtes sur une scène de crime. Dégagez ou je vous embarque pour obstruction. Excusez-moi, c'est mon camouflage qui a bugué. Je dois me faire plus discret, je crois. T'as entendu ce qui s'est passé avec le métro? Le nouveau Spider-Man a remis le métro en marche. C'est ce qu'on dit, non? Rien, là. Putain, mais c'est de la merde.
passer où? Y a du nouveau? C'est dur de faire la différence entre ce qui est important ou non. Un certain Caliboire a signalé des vols. C'est pas simple, les gars. C'est pas simple parce que je sais pas du tout où est-ce qu'il y a les indices. En fait. Ah, peut-être là. Non. Dis donc, t'as fait un paquet d'heures sup. On manque toujours de personnel au moment des fêtes. Il faut bien que quelqu'un. J'ai vu. Superman, dégagez de là! Je m'en vais! Putain, il a une voix. Ce qui est fou, c'est que le vrai doubleur, il a pas une voix comme ça. Ah d'accord, je dois le. Et comment je fais? Putain, ça m'énerve! J'avais pas la bonne technique en fait. C'est ma faute. Bah oui, j'avais pas la bonne technique. C'est my fault, man. N'approchez pas. C'est une scène de crime. Yes. Je peux examiner l'indice maintenant. Une veste de chez David's Complete Auto Repair. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Hé, tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair? Il y en a 12 à Manhattan. Il y en a un à Chinatown? Ouais. Je t'envoie l'adresse. Let's go, on y va. Oula, il y a des flics qui sont en train de. D'aller là-bas aussi. Une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. Hey, Spider-Man, vous avez des pistes pour nos marchandises? Ouais, c'est les gars qui ont tout volé. Camilla a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappé. Quoi? Vous êtes sûr? Complètement. Je vais essayer de la sauver. Ah. Heureusement que vous êtes venu vous en mêler, Spider-Man. Merci. Et pendant ce temps, t'as l'autre là qui attend. Ah, excusez-moi, il y avait un commentaire, je l'ai pas vu apparemment. La PlayStation qui fait des siennes encore une fois. Coucou Robert Meunier, j'ai pas suivi les histoires de Marvel. Maintenant t'as un Spider-Man un Spider-Man furtif. Bah oui. Non mais après c'est que dans le jeu, hein. En vrai. Enfin, dans les films non quoi. Mais dans le jeu ouais. Allez, go. Laissez Camilla partir. Je suis pas en train de rêver là. Camilla est dans cette voiture. Ouais. Arrêtez, on se tourne Manhattan et tu vas sûrement avoir un accident. Ouais. Oh non. Mais non, ça va aller. Ça va aller. Allez, hop. Camilla, tu vas bien là-dedans. Yep, non. Allez, viens. Merde. Donc là, je vais pas rater le QTE cette fois-ci. Voilà. Je dois ouvrir ce coffre. Allez, sors de là. Camilla, mais attends, mais je te connais pas, toi. Spider-Man, je pensais pas que... Mais ces hommes-là... Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie rapide. Ils sont près du pont. Je vais la récupérer. Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, je vais appeler un taxi. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. Mais je te connais pas, hein. Je sais pas d'où est-ce que je te connais, mais bon, écoute. Tant que ça se fait chaud,
Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez-y, allez-y. Ça va aller. Oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Merci encore. Ganki, Camilla est en sécurité. Elle a surpris ces types en train de voler les réserves. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Justement, j'ai fait des recherches. Quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie, pour faire fermer les commerces dans la rue de Camilla et Caleb. C'est sûrement le même gars qui paye ces criminels pour qu'ils viennent s'installer. Exactement. Du coup, j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain. Mais t'es trop un génie! Bon, je pars sur les terres récupérer la marchandise. Je te rappelle. Allez, go, on y va! Des caisses! Encore des caisses! Partout! Où est-ce qu'ils sont planqués, la marchandise? Eux, ils doivent savoir. Si je tends l'oreille, je saurai quelle caisse je dois ouvrir. Alors, appuyez sur R3 pour trouver des conversations ennemies. Il faut pas qu'ils me voient. Je sais pas si je continuerai à bosser pour le Mastoc quand il sera implanté à Harlem. Pourquoi? T'aimes pas l'argent? Il y a des fois, il veut faire des trucs qui sont contre mes principes. Les drogues, le racket, ça passe. Mais il bute des gens. Je savais pas que t'étais une mauviette. Faut savoir poser ses limites. C'est pas ce que je cherche. Okay. Le camouflage, il se désactive pas quand j'espionne. Tu vas construire quoi sur le terrain? Peut-être des apparts? Ou des bureaux? Pour faire circuler de la drogue? Possible. C'est bien pour se faire du fric rapidement. Pas de ça dans mon quartier. La drogue, c'est mal, vous voyez. J'ai un peu chaud là. Vous allez faire quoi avec tous ces machins? Des ciseaux à barbe? Des ranges serviettes? On va tout balancer. Tu peux commencer si tu veux. Conteneur vert avec l'étoile blanche. C'est bon. Je vais pouvoir m'occuper de ces types. C'est bon, je peux les tuer? Éliminer les types. On peut y aller, c'est parti. D'accord, merveilleux, ça bug. Merveilleux, je voulais le tuer de manière furtive, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on passe au plan B. Autant j'avais du mal au début, maintenant ça va. Hein. Le gameplay en fait vite. On n'oublie pas à faire du vélo et on n'oublie pas à jouer à Spider-Man. Bon là, un peu baisé par contre. T'as aucune chance, Mine. Il est pas invincible, le héros. Bah oui, je suis invincible, voyons. Je suis invincible, je mourrai jamais. Je meurs pas dans Dark Souls, je vais pas mourir là. Tu vas mourir. T'as vraiment mal choisi ton jour. Écoute, moi je trouve que c'est un jour bien choisi. Écartez-vous. Au, 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 au. Alors, vous me croyez ou pas, mais j'appuie sur rond, hein, mais ça marche pas. J'appuie pour esquiver, ça marche pas. Mais bon, ça marche. Ah merde, putain, j'ai mis les drones. Bon, c'est pas grave.
crois que oui, ils m'ont été utiles, les drones finalement. Harley, 1. Affreux criminel qui bosse pour un méchant mystère, 0. Bon, les marchandises, conteneur vert, étoile blanche. Alors, conteneur vert, conteneur vert, conteneur vert. Conteneur vert, étoile blanche. Pas ça? Conteneur vert. Non, mais y a pas d'étoile blanche. Trouver la marchandise volée. Alors, conteneur vert, conteneur vert. Il n'y en a pas 50, hein, le conteneur vert. Non. Conteneur vert, où es-tu? Où es-tu? Conteneur vert. Conteneur vert. Conteneur vert. Conteneur vert, étoile blanche. Conteneur vert, étoile blanche. Conteneur vert, étoile blanche. C'est la bonne caisse. Y a plus qu'à l'ouvrir. Bloqué derrière d'autres caisses, cette grue pourrait servir. Cette grue pourrait servir. À quoi? À quoi exactement? Comment ça? Tu veux que je fasse tomber la grue? Faut bloquer le mécanisme. Ah, ok. Ok. C'est bon. Maintenant, faut sortir l'inventaire de la caisse. Alors. L'inventaire de la caisse. Ah, des renforts. Sérieux? Et vous êtes combien? Alors moi je dirais au moins 10. On verra. Votre patron vous a donné des lance-roquettes? Plaisante pas. Passe-moi le lance-roquette. Que mêle pas nos affaires, sale dégénéré. Eh, c'est pas gentil de dire ça. C'est pas malin de s'en prendre aux honnêtes commerçants de mon quartier. Pourquoi vous voulez forcer un coffre à fermer? On en a besoin! Le boss a dit de tuer! Et la dernière volonté! J'ai tellement hâte de plus vous voir à Harlem! Wolfgang! Bref, conteneur vert, étoile noire. Alors. Elles sont là, toutes les marchandises volées. Ben voilà. Caleb, j'ai retrouvé votre inventaire. Envoyez quelques camions sur les quais et je vous aiderai à les récupérer. Ben voilà. C'était pas si compliqué. Conteneur vert, étoile noire, après tout. On était prêt à déclarer la faillite et à mettre la clé sous la porte. Mais grâce à vous, on va pouvoir s'en sortir. Speeder cochon, Speeder cochon. Merci mille fois. Vraiment. Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir. C'est la maison qui offre. Vous allez faire comment avec le masque? Oh, je me débrouillerai. Oh yeah, il faut bien que vous mangiez aussi. Vous êtes en pleine croissance. Venez à Panafuerte quand vous voulez. Et on vous préparera quelque chose. Je vous remercie. Tous les deux. On vous doit une fière chandelle, Spider-Man. Tout le quartier vous en est reconnaissant. Spider cochon. Spider cochon. Tu fais du super boulot, Spider-Man. Oh, tu m'as bien aidé. T'as une piste sur notre mystère? Est-ce qu'il peut faire une toile? Pour l'instant, j'ai Vulture, Scorpion et Tombstone. Je crois pas que ça soit le genre d'électro. C'est pas n'importe qui, dis donc. Mais on va gérer. Je veux qu'il dégage de notre quartier. Oh, c'est la première fois que tu dis notre. Là, tu me gênes. Trop tard. Oh. Oh. Bon, il nous reste une mission secondaire à faire. Fermeture du Fisk, donc c'est là où il y a Peter Parker, c'est là où il y a le vrai Spider-Man du coup. Qui s'occupe de ça à la base. Là il n'y est plus. Si je me gourre pas hein. Je peux toujours me gourer.
Ah bah ouais. Est-ce que je me gourre? Est-ce que je me gourre pas? D'accord, j'y rentre un Balek. Oh, je me gourre pas. Hein. C'est vraiment là où il y a Peter Parker. Ouais, c'est ça. Oh, le bug! Oh non, c'est quoi ça? Comme une sorte d'agent double. Ou même triple. Ça me plaît. Oh, je peux me balader en tant que Miles. Pour une fois. Marrant comment les gens s'en battent les couilles de moi là par contre. Hein. Coucou. Vous savez, moi je fais des choses sympas, hein. Bah, je sauve des gens. Abandonner annulera toute... Ah non, j'ai pas... Non. Bon, tant pis. Bah, je voulais un peu me balader, mais bon, tant pis. Bon, bah, Spider cochon. Un problème de fuite. On a tout nettoyé, mais la ville ne nous laissera pas rouvrir tant que ce sera pas réglé. J'ai fait venir 3 fois le plombier, mais ça revient sans arrêt. Tu peux envoyer du monde dans d'autres refuges fistes? Tout est déjà plein. Ces gens-là, ils n'ont nulle part où aller. On essaie de garder les gens au chaud et de les nourrir, mais par ce temps... Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais. Tu peux aller voir les gens installés dans le parc. Ils sont pas toujours très chauds pour parler à la direction. Ok, ça marche. Et après ça, retourne en vacances. Tu travailles trop. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Peut-être pas la mission la plus intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau? Peut-être que ces gens pourront m'aider. Mais alors. Sans avoir fini en arrivant au fist. Tu n'aimes pas le camping? Si je pouvais retourner dans mon appart. Je vais le faire. Merci. Je suis Steph, la copine de Gloria. Je suis bénévole au fist. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais. Gloria dit que la ville refuse de rouvrir le centre. Ils sont étrangement bornés. Ils n'ont pas perdu de temps pour nous fermer. Moins d'une heure après l'inondation, ils étaient là. Ouais. On devrait porter un petit chapeau en papier d'alu, hein, c'est ça? Non, c'est bizarre. En tout cas, un grand merci pour ton aide. De rien. Ok, c'est louche. Je devrais continuer à parler aux gens. C'est hyper louche. Des couvertures ou de la bouffe. Attendez, je vais vous aider. Merci. J'essaie de garder ça au sec. J'avais peur qu'on se fasse dévaliser, mais il y a eu cette inondation. J'avais même acheté un couteau. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? J'ai vu des types en train de rôder autour du centre. Je les ai chassés, mais ils sont revenus. Et puis ils ont disparu juste avant que ça pète. Dites-moi si vous voyez autre chose. Et faites attention avec ce couteau. Ça marche. Merci. Bon, je vous avouerai, j'écoute pas grand-chose. Hein. Je comprends pas. Les canalisations sont pour... Salut. Je vous aurais pas entendu parler d'un employé de la ville par hasard? Ouais. Il y a environ un mois... Le refuge a installé un nouveau chauffe-eau. Un inspecteur est venu et il a dit que tout allait bien. Et regardez où on en est. Ouais, bizarre qu'il ait rien vu. Je dois y aller. Prenez pas froid. Vous non plus. Ok, donc tout ça pour un problème de chauffage. Hé, hey, t'es occupé? Je bosse sur Speed Nonagon. T'as du nouveau? Il y a des types qui rôdaient autour du fist juste avant que ce soit inondé. La ville a tout de suite condamné le centre. C'est bizarre. Et un inspecteur a dit que tout était nickel juste avant que le tuyau lâche. Ce serait du sabotage? Carrément. Je dois aller mettre ma tenue. J'ai passé du temps dans l'autre. Allez, on repasse en mode Spider-Man. C'est quand même plus cool, non? Quand même sympa qu'on puisse contrôler Miles autrement que Spider-Man. Un peu comme dans le premier avec Peter Parker. C'était plutôt sympa. D'ailleurs, j'ai pas dit, hein. Enfin, oui, je l'ai dit un petit peu, mais la tête de Peter Parker a vraiment changé. Je vais voir si je peux y arriver. Et j'aime bien vous l'avouer, ça m'a pas trop gêné tant que ça. Voilà. Ça m'a pas trop dérangé. Après, bon,
Apparemment, la première tête est meilleure, mais bon, je me rappelle plus trop de sa tête. Hein. Franchement, moi, Spider-Man, c'est ça. Vous voyez? C'est très très rare de voir la tête de Peter Parker au-delà de son masque. Donc, voilà. Et puis, vu que là, c'est même pas son jeu à lui, là, c'est pour Miles. Ça m'a pas trop dérangé, quoi. Mais à mon avis, je pense qu'à la fin du jeu, on va le voir. Hein. C'est obligé qu'on va le voir à la fin du jeu. Espérons qu'il meure pas, ce con. Ça mène à un égout. Couché par... Oh, des ordures. Pas étonnant que la canalisation ait pété. J'ai fait le ménage. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'eau qui coule. Ah, je sais quoi faire. Faut que tu trouves la station de pompage. Comment tu sais ça? J'ai participé au nettoyage des rivières en primaire. Alors elles sont super propres maintenant? Plus propres en tout cas. Ne te baigne jamais dans l'Hudson. Le primaire, c'est un peu loin, Coco. Hein. Ganki, je confirme que c'est les types que j'ai affrontés à la centrale électrique. La banque et la centrale électrique, je peux comprendre. Mais pourquoi s'en prendre au Fist? On va le découvrir. Peut-être que c'est quelque chose de personnel. Prendre son business de protection? Quand il aura pris ses marques, sûrement. Il faut qu'il s'implante dans le quartier. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non? Alors, on va jouer un peu plus finesse. Enfin, finesse. Un peu plus brutal, mais. Voilà. Voilà, j'appelle finesse. Hein. On a fait de conneries! Je joue très très peu avec les mines, alors voilà. Tu m'échapperas pas. J'ai la mine là ou pas? Non, j'ai pas la mine. Allez, change de truc. Voilà. Et je suis pas Spider Gamin, ok? Je suis Spider Morales. Respecte mon nom, connard. Tu dois allumer la pompe. Alors, tac. Hey, le nettoyeur de rivière. La pression de la pompe est dans le rouge. Ils ont dû toucher aux valves. Tu vas devoir les régler une à une avant de pouvoir allumer la pompe. Tu les as entendus? Leur chef veut s'emparer de Harlem avec sa bande. Drogue, extorsion. Oh, je me demande pourquoi les gens peuvent pas se contenter de venir pour les restos et les musées. Rien à voir avec Spider-Man, mais t'as commencé Jenner pour le cours de Madame Malher? J'ai fait absolument aucun devoir depuis la fin du cours. C'est ouf, je viens de finir la scène du mariage. Bouge pas. Derrière, des ordures. Ah, non, le froid. Genre, le mec il craint le froid. N'importe quoi. Une de moins, encore deux valves. Il neige, il est pas là dans. Alors voilà. On parlait des trucs à lire pendant les vacances. C'est ouf. Je viens de finir la scène du mariage. Ah, j'arrive plus à poser mon cas. Attends un peu. J'ai trouvé une valve. Celle-là a une jauge de pression. Ça doit vouloir dire qu'elle est vieille. Oh merde. Je dois la couvrir de toile. La pression doit être pile au milieu. Sinon les tuyaux casseront à nouveau. Je l'ai fait, merde. Il faut que la pression redescende. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Je dois attendre que ça baisse. Ah, d'accord. Ok. Attendez, j'ai compris. J'ai compris. I understand. Non, la pression de l'eau est trop élevée. Oh, ta race.
Putain, j'ai compris en plus pourtant. Hein. Ah, attendez. Donc là, c'est bon là. J'attends un peu. Ça marchera pas. La pression est trop basse. C'est ça. J'ai compris. Il faut le faire vraiment au milieu, quoi. J'ai compris. J'ai compris. Alors. Allez, viens. Là, c'est bon. Gilles de deux. Encore une balle et je pourrais rétablir l'autre. Bah, nickel. Allô, désolé. Lecture de vacances, vas-y. Ouais, tout à fait, je suis là. Non, je t'écoute. Je finis juste ce chapitre. Donne-moi 5 minutes. Sérieux ? Oh merde. Ah, t'en as vraiment partout. Il est organisé ce fumier. Salut. On va combien de temps on va devoir surveiller un égout. Salut les gars. Vous pouvez me dire qui est votre chef? Non. Bon bah tant pis alors. Beaverman, mêle-toi de tes affaires. C'est une intervention privée. Allez, dégage. Travaille pour quelqu'un qui rigole pas, ok? Mort. Et je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pas cool de s'en prendre en refuge. Attention, si vous aviez laissé Harlem tranquille, vous aurez laissé tranquille, peut-être. Vous ne laissez pas piéger. Je suis pas venu ici pour souffrir, moi, ok? Réflexe. C'est pas gentil. Maintenant la valve de pression. Ben voilà. Ça devrait être bon. Il faut que je relance l'eau à la station de pompage. Hé, Ganki, tu peux appeler la mairie? Ils envoient quelqu'un au fils de Nord pour déclarer sa défermeture. Pas de problème. J'adore me faire passer pour un adulte et passer des coups de fil officiels. Pas que la gison dans le jeu les deux cons. Hein. En tout cas, le doubleur de Miles, il a dit qu'il s'était cassé la voix pour faire une voix pareille. Parce que là, il est en train vraiment de se casser la voix. Hein. C'est pas sa vraie voix. Dans sa cellule. Contacté, c'est passé par le système vidéo du sous-sol. C'est bizarre que les gardes lui laissent une webcam. Tu rigoles? La plupart de ces types bossaient déjà pour lui avant qu'il aille en prison. Ok, c'est quelqu'un qui est en prison. C'est quelqu'un qui est en prison. Alors qui? C'est peut-être Rhino. Ça a rien à voir avec une prison normale. C'est plus dur, plus strict. On sait jamais si on va se faire planter par un co-détenu. Par un garde. On dirait les bobards qu'on raconte aux ados pour pas qu'ils deviennent délinquants. J'ai du mal à imaginer le mastoc là-dedans. Il est censé être au-dessus de tout ça, non? Je pense pas qu'il restera longtemps là-bas. Ah bah c'est Rhino. Et même si ça dure, il a encore le bras long dehors. T'as vu à quelle vitesse la ville nous a condamné ce bâtiment? Ok, je pense que c'est Rhino. Pas certain, mais bon. En même temps, c'est le seul que... Enfin, je sais pas, à part lui, je sais pas qui... Ça que Jordan a révélé le nom du patron à un agent infiltré. Oh, l'IA. Ouais.
Ok. Putain, ils m'ont vu là. Non. Camouflage activé. Niveau d'énergie critique. Camouflage activé. Niveau d'énergie critique. Bon là, ils vont me voir, c'est pas grave. Ah non, j'en ai pas vu. Je comprends vraiment pas quand est-ce qu'ils peuvent me voir et quand est-ce qu'ils peuvent pas me voir en fait. Ok, plus que deux. Bon bah là... Il n'en restera plus qu'un. Let's go. Ben voilà. Nouvelle victoire pour Spider-Man. Ouais, Ganky, t'as entendu ça? Leur chef se trouve au raft. Oh, wow. Bah, c'est Rhino. T'es positif? On peut peut-être l'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Je vais regarder ça. Maintenant, faut réactiver l'eau. Bah, c'est pas Rhino. Je sais pas. Et là, l'eau se met à couler. Super timing. L'inspecteur de la ville vient d'arriver au fist. Il devrait pouvoir rouvrir bientôt. Nickel. Je vais y aller directement pour voir si Gloria a tout ce qu'il lui faut. Tu te demandais pourquoi leur patron avait monté toutes ces opérations pour fermer le fist. Raison numéro 1. Leur terrain vaut de l'or. Et raison numéro 2. La présence d'un refuge à Harlem fait considérablement baisser le crime. Et comme il veut être un baron du crime, plus il y a de criminalité, mieux c'est. Exactement. Mais on l'a arrêté parce qu'on est trop fort. Mais on l'a arrêté, donc c'est... Enfin, je sais pas, c'est peut-être Rhino, hein. Parce que à part lui, bah, peut-être un mec du 1, mais je me rappelle plus, les gars. Hein. Dans le 1, ça commence à faire longtemps, déjà. Hein. Dans le 1. Salut, les gars. Le nouveau ? Hey, salut ! Oh, salut. C'est toujours un plaisir de rencontrer un Spider-Man. Oh, Oui, écoutez, je réparais le système de distribution d'eau et j'ai vu que votre refuge était touché. Ça devrait être bon maintenant. C'était toi ? L'inspecteur vient de passer, il autorise la réouverture. Tout le monde peut rentrer. Oh, Spider-Man, vous tombez vraiment bien. Je sais pas combien de temps on aurait tenu comme ça. Merci. Ok. Salut Gloria, c'est Miles. On m'a dit que le Fist Nord devait rouvrir. On a eu un petit coup de main de Spider-Man. T'y crois, toi? Merci encore d'être passé. Les gens dans le parc disent que tu les as bien aidés. Y a pas de quoi. Allez, profite de tes vacances. On se retrouvera à la rentrée. Ok. Salut. Ciao. Eh, hey, j'ai parlé avec une graffeuse du quartier qui s'appelle Hayley. Elle a une piste sur l'endroit d'où opèrent les types qui ont l'intention de racheter Harlem. Génial. Tu peux la trouver. Elle aide à préparer le défilé des rois mages, mais je t'enverrai un message sur la. Oh, les rois mages! Oh, oui, gars, il est. Déjà vu avant le meeting, tu te souviens? Une graffeuse qui utilise la langue des signes. Ouais, elle est cool. J'attends ta publication. Super, à plus. Ah oui, c'est la meuf qui nous a fait le langage des signes. Je m'en rappelle. Ah, mais je peux pas la faire là. Ah, les gars, je peux rien faire. Bon, bah, dommage. On va attendre du coup. Quoi ? Quête principale alors ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quête principale du coup ? Mais d'abord, amélioration. Ouais, pourquoi pas. Non, ça je m'en servirai pas, je le sais. À partir de là. Bon, ok. Donc je paye pour ça. Ok, bon. Quête principale, c'est parti. Salut! Je tenais à te dire qu'on a une sacrée veine d'avoir le nouveau Spider-Man. Eh oui, pas de censure avec moi. Dis ce que je pense. Une femme de Harlem a été kidnappée récemment. Spider-Man l'a retrouvée avant même que la police ait eu le temps d'enregistrer sa disparition.
C'est pas facile pour Harlem depuis que Roxxon s'est implanté. J'espère que la présence de Spider-Man leur redonne un peu d'espoir en cette période de fête. Je vous invite tous à encourager Spider-Man sur les réseaux sociaux et à faire un don à la campagne de Rio Morales si vous ne voulez pas que le quartier tombe aux mains d'une multinationale. Et rappelez-vous, nettoyez le filtre de votre sèche-linge après chaque machine. À plus! Les rois mages! Oh, galet! Ok, let's go. Ah oui, là, on va redevenir Miles Morales juste pour l'occasion. J'avais zappé. Tu m'as appelé. J'avais besoin d'une pause. Pourquoi ? Oh, à cause du boulot. Écoute, j'ai été à l'atelier de ton père. Je pensais t'y trouver. On aurait dit qu'il y avait eu comme de la bagarre juste avant que j'arrive. Je suis rentré, j'ai jeté un œil. Je sais pour Rick. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre ? Je veux t'aider. Mais il faut que tu me parles. Je suis désolée que ta mère ait été blessée. Ce serait pas arrivé si le nouveau Spider-Man avait pas été là. Miles, essaye pas de me dissuader. Je sais ce que je fais. D'accord. Cool. Bon, voilà mon grand secret. C'est pour ça que j'étais occupée. C'est quoi ton excuse ? L'école, le bénévolat au fist. T'as toujours fait des trucs comme ça. C'est quoi la vraie raison ? La vraie raison, c'est que... je crois que j'ai voulu assumer beaucoup trop de responsabilités en même temps. Je me suis éloigné de mes amis. Mais je veux arranger ça. Je pourrais peut-être rejoindre ton club, gang, équipe. Je sais pas trop. Tu sais, Rick était... il était super. Je comprends pourquoi tu fais ça. Si tu veux que je t'aide, je suis là. Sinon, pas de problème. Je dirai rien à personne. T'es un bon ami, Miles. D'accord, on y va. Où ça ? En tant que... tu sais bien que j'ai le vertige. Tout ira bien. Je serai là. T'as le vertige, Loul. T'es sérieux ou quoi ? Tu vas devoir faire tes preuves auprès de l'Underground. Je t'expliquerai comment quand on sera à la Tour Fisk. Me dites pas que vous vous êtes installé dans les bureaux de Kingpin. Le FBI a saisi sa propriété quand il est allé en prison. Ils se sont pas encore décidés à la vendre, alors on s'est installé. Comment tu t'es retrouvé mêlé à tout ça ? L'Underground, Tinkerer. Tinkerer, ça veut dire bricoleuse. C'est mon rôle. J'ai tout fabriqué. Les masques, les armes... la matière programmable. Exact. En essayant de dévaliser l'atelier de mon grand-père, l'Underground a vu sur quoi je travaillais. On a passé un marché. Je sais que tu veux te venger de Krieger, mais... qu'est-ce que ça leur rapporte à eux ? À part les armes. La notoriété. Ils veulent être assez connus pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et ça te dérange pas ? Je peux pas combattre Roxxon toute seule. Viens. Tu dois sauter de la grue sur le balcon pour leur prouver que t'as peur de rien. Vous me regardez ? Par les fenêtres. Tu dois y arriver. T'inquiète, par les fenêtres. Ça va aller. Oui, t'inquiète, ça va aller, oui. Je dois y arriver.
arriver sans lui montrer que je suis Spider-Man. Allez, Miles, te plante pas. Pourquoi tu galères comme ça alors que... T'as qu'il le fait exprès. À moi. Je te tiens. Et tout? Alors, je fais partie du club maintenant? Ah bah, bien sûr. Mais fais attention. Ces types mettent du temps à accepter les nouveaux. Voilà, c'est ici que je travaille sur mon plan. Putain, on se croit dans Watch Dogs, quoi. Tu fais quoi avec le uniforme? Krieger dit que t'en as volé toute une cargaison. J'ai volé une bonbonne. J'ajuste la formule. T'inquiète pas pour ça. Prends la journée pour t'habituer. Ok. On se croirait tellement dans Watch Dogs. Pas maintenant. On a une nouvelle recrue. Ok. Oh la vache. C'est toi qui as fabriqué tout ça? Ouais. Tant que je leur fournis de nouvelles armes, l'Underground reste loyal. C'est une épée en matière programmable? Nouveaux ennemis, nouvelle méthode. Tu veux parler de Spider-Man? La plus mauvaise surprise de la semaine. Combien de fois je vais devoir lui expliquer? Miles, j'ai un truc à régler. Attends-moi ici, ok? Ah ouais, ok. C'est le moment. Il faut que je trouve où elle garde l'uniforme. Je trouverai peut-être des indices là-dedans. Quand elle va savoir qu'on est Spider-Man, ça va être la merde. Hein. Tout ça là, c'est au gang de Martin Lee. Il fait être bien entraîné pour vaincre les démons. Je me demande où il s'exerce. C'est bizarre, le souffle du diable. Ça me rappelle un truc. Donald Renew. Pour les connaisseurs. J'ai déjà vu ça. Et là-dedans, c'est des réserves? Je vais pas m'ennuyer. Ça en fait de l'argent. Il y en a encore plus en bas. Plus en bas. Ça a l'air intéressant. Les médias parlent de l'Underground depuis l'attaque du pont. Faut qu'on devienne crédible. Moi, je pense qu'on devrait se concentrer sur la com, au lieu de se coltiner l'uniforme. Se le coltiner? Ils l'ont peut-être apporté ici. Il n'est pas seul. Il utilisait son pouvoir pour se faire respecter mieux que personne. Ouais, mais il a merdé. Il s'est fait prendre. Faut qu'on commence à se faire respecter. C'est pour ça qu'on a besoin des armes de Tinkerer. T'as vu ce qu'elle fabrique? Ça déconne. Ouh, Fisk serait pas trop d'accord. Ouais, il y avait des pièges et des portes secrètes un peu partout. On a tout trouvé. La tour Fisk est à nous maintenant. Des salles secrètes. Bon plan pour dissimuler un carburant mortel. Ils utilisent peut-être les pièces secrètes de Fisk au rez-de-chaussée. Pas de la pause, les jeunes. Groupe 2, en bas pour l'entraînement. C'est là que je devrais aller. Personne pourra oublier le Dark Road. J'ai l'impression que j'ai d'abord déjà pensé quelque part. Il faut que j'en parle à Dante. À qui t'écris?
Ma mère. Ouais. Elle a besoin de moi. Quoi, là? Maintenant? Ouais. Elle s'est cassée le poignet. Je dois l'aider à cuisiner. Tu lui as dit que j'étais... Merci. Tu peux sortir par là. On se revoit bientôt. Compte sur moi. Il y aura un temps de chargement et non, aucun temps de chargement, les gars. Bon, on va voir s'ils cachent leur secret en bas. Ça, quand même, c'est sympa. Aucun temps de chargement. Ça, c'est cool. Je suis dans les aérations. Super. T'as trouvé où se cache le nuforme? Pas encore. Mais j'ai vu Finn se diriger vers le sous-sol. Alors je vais essayer de la suivre. Eh, quand tu rentres dans les tuyaux comme ça, tu fredonnes pas une musique trépidante comme si t'étais dans un film d'action? Et t'imagines pas qu'on va t'attacher dans une cellule au-dessus d'une fosse avec un crocodile, d'où tu sortiras en fabriquant une bombe avec des vieux chewing-gums? Quoi? Non! Ok, je me demandais juste. Merde, je reviens là. Casse-couille! En fait, les développeurs ont mis des câbles, donc bon, à partir de là. Ok, je suis dans la triangle. Je dois désactiver le matos d'entraînement de l'Underground et après, je chercherai cette pièce secrète. Voilà. Je t'ai eu. Ah d'accord, il faut tout que je l'ai... Ok. Faut que je les neutralise. D'accord. Oh merde. Salut. Ah non, je veux pas mourir, enfin c'est moi le héros con quoi.
Un petit clin d'œil, ça non, par hasard, peut-être à Ghost of Tsushima. À mon avis, c'est un petit clin d'œil, les gars, à Ghost of Tsushima. Hein. J'ai dégoté un easter egg, putain. Les gars, on est sur PS4. Ghost of Tsushima est un jeu PlayStation 4. Une statue de samouraï. Pour moi, on y est. Peut-être que je me gourre après, attention. Rêve. Ok. Toujours aucune trace de Finn. Elle est forcément quelque part. J'ai lu une interview de Fisk où il disait qu'il appréciait l'art utile. Ça veut dire quoi? Aucune idée. Ça. Mais ils ont aussi trouvé des passages secrets cachés derrière des œuvres d'art chez lui. Alors... Ouais, pigé. Je cherche. Hé, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bah oui. Ça voyait tellement. Wow. Un escalier secret. Ça se voyait tellement, bordel de merde. Est-ce que c'est un clin d'œil, ça? Je sais pas du tout. Bref. J'ai un tweetané. Ouah, c'est profond. J'ai un tweetané. Plein de types de gangs ont ce genre de sortie secrète. Je me demande si Fisk a voulu s'en servir quand l'autre Spider-Man est venu le chercher. Il aurait dû construire un ascenseur plus rapide. Il aurait peut-être pu s'échapper. Commence pas à donner des idées aux super vilains, d'accord? Attendez, Fisk, ça me dit quelque chose. La porte est verrouillée. Ne pas le conduire. T'as entendu? Ceux de l'Underground aussi sont malades. Ils sont totalement insensibles. Vous avez mis l'uniforme. En sécurité? Ouais, au labo, en ville. Gangi, ils ont déplacé le uniforme. On n'est pas sûr de l'état de la bonbonne. Et là, elle voit rien, sérieux. Ça vibrait comme si c'était instable. C'est le nouveau Spider-Man. Ses pouvoirs ont détraqué la structure. Dites à tout le monde de pas y toucher. Leur repère. Le uniforme doit être dans l'un d'eux. J'ai besoin d'une image plus nette, pour affiner la recherche. On n'en sait pas assez sur ce machin. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est mon frère qui a créé le uniforme. Chef de labo. Et Roxxon l'a tué. Je ferai tout pour que Roxxon disparaisse. Vous êtes avec moi? On est avec toi. Bien. J'ai besoin d'énergie. Générateur, batterie de voiture, tout ce que vous pouvez trouver. Apportez-les à l'opéra. Oh putain!
nouveau pouvoir? Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a marché. Ok, et c'est quoi? Moi je vais regarder la carte que t'as trouvée pour essayer quoi, de relier les points. Cool, je retourne électrocuter des méchants. Les gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai bugué ou quoi? À mon avis, c'était pas prévu ça. Jamais tu pourras nous arrêter. D'accord, ça a bugué. Putain, quel dommage. Pourquoi ça a bugué comme ça? Ah là là, là 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 là. Bon, c'est pas grave. Un bug, allez. Ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver d'avoir un bug, hein, c'est rien. Ah, voyons. Voilà, c'était bien un bug. Ok, c'était des trucs. Moi je vais regarder la carte que t'as trouvée pour essayer de relier les points. Cool, je retourne électrocuter des méchants. On s'est fait baiser l'anus. Oh putain de sa mère. Je peux enfin régler une bagarre dans une chambre forte sur ma liste perso. On est l'underground. On est l'underground, inarrêtable, intuable, imbaisable. J'ai analysé la photo que t'as prise de la carte. L'Underground squatte les anciens chantiers de Fisk, apparemment. Ah bon, ça m'intéresse pas, hein, je vous le dis. Ça m'intéresse pas trop. Y'a autre chose? Finn m'a parlé d'un opéra. Un opéra? Ça, c'est... Non, arrête-moi. Un drame. Trop tard. Ça doit être le James Theater. Je pense que c'est là qu'elle a caché l'uniforme. C'est ma prochaine destination. Si tu vas à l'opéra, je suis chaud. Si tu vas inspecter les autres repères de l'Underground avant, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Cool. J'ai ajouté des repères à ma liste de choses à faire. Je te fais signe en arrivant à l'opéra. Je bouge pas. Je peux comprendre pourquoi Speed Nonagon n'arrête pas de planter. Il n'a rendez-vous au Gem que plus tard dans la soirée. Ça me laisse le temps de regarder ce que raconte l'appli et d'autres trucs. Alors, on a d'autres trucs dans l'application. On a une piste. Ah, let's go. D'après Ganki, une graffeuse du nom de Heidi a une piste sur les clics à Carlem. Écoutez les gars, on va s'arrêter là. Pour ce live. Enfin, en tout cas, je fais la mission. Et puis on s'arrêtera là. Pour ce live de Spider-Man, Miles Morales. Et à mon avis, ça sera le dernier live hein, que je fais sur le jeu. Jeu vraiment sympa en tout cas. Je vous dirai mon avis à la fin. Bon après c'est con parce que je vais pas vous... Il y aura pas de review parce que les reviews je suis pas très motivé. Je peux pas faire semblant, hein. Je suis pas quelqu'un qui peut faire semblant d'être bien quand je suis pas forcément très bien. Donc voilà, avec tout ce qui se passe, avec ma vie perso, j'ai vraiment pas la motivation de faire une review. Par contre, un live, voilà, parce que vous savez que les jeux vidéo c'est ma passion depuis l'âge de 4 ans. Là je vous le fais malgré tout. Hey, salut. C'est toi, Hayley? Elle peut toujours me demander sur l'appli. Ganki m'a dit que tu pouvais m'aider à trouver les gars qui s'attaquent à Harlem.
Tu les as suivis? C'est dangereux. Et courageux. Je vais aller sur place pour les arrêter. Allez go. C'est sympa, voilà. Ça par contre, vous voyez, ça c'est sympa d'avoir une femme comme ça muette qui nous parle. J'avoue que c'est très très rare. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête ici. Ça c'est marrant, voilà, ça c'est bien. Ah attends. Tu me demandes si je veux danser? Mais bien sûr. Mais où tu veux que je danse? Mais où? Ils sont tous figés comme des poteaux, les mecs, ils bougent même pas. Voilà. L'araignée bouge ton boule. Ah là là, heureusement qu'il y a les jeux vidéo quand même, hein, parce que franchement. Hey, salut. Aidy m'a dit que nos potes criminels étaient installés. Il a essayé de les empêcher de communiquer avec leur chef. Je vais regarder les tours de téléphonie mobile et surveiller le réseau. Pour essayer de trouver la connexion et la couper. Super, je t'appelle de là-bas. Et l'araignée bouge ton boule, quoi. Sympa, sympa. Allez go, on y va les gars, on est parti. Donc, nos gars sont clairement installés ici. Je vais m'occuper d'eux et mettre un terme à cette opération. Défoule-toi bien, Spider-Man. Allez, on va se défouler un tout petit peu quand même. Ça fait plaisir. On se met en mode furtif ou pas, les gars? Tu sais, on va quand même essayer. On va se faire opérer. Le mode furtif, il est vraiment pas utile, je trouve, dans ce jeu. Je galère tellement avec ce mode furtif. Vraiment, je galère. C'est pas simple. Le patron, j'ai du mal. Découvre comment on communique. Eh ben, c'est mort. J'ai le vent, petit gargouille. J'aurais dû emporter un casse-croûte. Non. Ils vont me voir, si je descends en bas, ils vont me voir. Quoique, pas trop le choix en même temps. Oh, il y a un sniper qui me vise de là-bas, comment je vais faire? J'ai peut-être une idée. Non, même pas. Bah, il va me voir là, si je tue à lui, non? Bon, on essaye quand même. Il me voit pas, écoutez, tant mieux. Il est aveugle. Camouflage. Putain, il a pas voulu. Il a pas voulu. Hein. C'est comme ça. Oh, les roquettes, ça me rappelle le 1. On tire une roquette, on peut la reprendre et la faire aller dans un... Enfin, sur l'ennemi. Ok, je l'ai planté tout seul. Allez, tire. Tire un coup de roquette. Je vais t'écraser, minable. Tire un coup de roquette. Putain, il veut pas. T'es mort. Bon, les gars, j'aimerais vous montrer le coup de la roquette, du coup. Mais pas lui. Putain, mais... D'accord, il y a deux roquettes. Ah voilà, c'est bon, allez! Et voilà le travail! C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais. Faut toujours avoir ce qu'on veut. Hey.
Merde. Comment on les bute à lui? Ah oui, attendez. Oui, attendez. Voilà. Dans ta gueule. Salut Alan, oublie pas, tu peux te camoufler en combat. Ah, on peut le faire en... Ah d'accord, je sais même pas, tu vois. Ah, bah cool mec. Merci, merci, je savais pas. Ah ouais, j'avoue, il demande où je suis. Énorme. Putain, j'avais complètement oublié. Mais cool, merci mec. Et je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et il t'oublie pendant un moment. Ok, ça marche. Non, j'ai pas envie de sortir, je suis bien. Pas de compliqué. En fait, le mode furtif, j'ai vraiment trop de mal. J'ai trop de mal avec ce mode furtif. C'est pas qu'il est mauvais, hein. C'est que c'est moi qui suis pas un joueur furtif. Je suis un joueur bourrin. Bon, on va s'occuper du mec avec son bazooka, quoi qu'il arrive. Comme lui au moins, il meurt comme ça. Voilà, quoi qu'il arrive. Allez. Voilà. Ils m'ont vu là? Non, c'est bon. Ouais, là-bas, il y en a deux. Là, voilà, il y en a trois en haut. Il y en a un qui est seul là. On pourrait se le faire, lui. Ah non, il est pas seul. Il était seul, mais il est plus seul. Montre-toi, gamin. Montre-toi, gamin. Montre-toi, gamin. Montre-toi. Moi, c'est ce que je kiffe sur Spider-Man, le mode furtif. Surtout dans celui-ci, où tu peux coller les ennemis partout. Ah ouais, j'avoue, tu peux aussi faire ça. Ouais, mais toi, t'as un truc que moi, j'ai pas, c'est que tu retiens tous les mécaniques de gameplay. Alors que moi, j'oublie la moitié. J'oublie la moitié des choses. C'est ça qui est fou. Mais j'avoue qu'on peut faire ça aussi. Sur les murs, au plafond, n'importe où. Bah ouais, c'est vrai. Non, mais j'avoue, c'est vrai, on peut le faire en plus. Juste que moi, je suis quelqu'un qui oublie tellement tout. Bon, allez. Quoi qu'il... Oh non! Pourquoi t'es... Bon, tant pis, c'est pas grave. Moi aussi. Putain. Allez, on s'en fout, c'est pas grave. Mode bourrin. Mode bourrin, sinon on y est encore pour une heure. Hein. Allez. Aouh. Alors, avant de refaire celui-ci, j'ai refait l'autre, donc le premier, et du coup c'est très frais dans ma tête. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, c'est vrai en plus que j'ai vu que t'as rejoué au premier là il y a quelques jours.
Mais non, pourquoi t'as pas fait le coup spé? Il est là. Il m'a vu là. Je peux pas la voir là. Ok. Qui me voit encore? Putain, mais je suis là. Qui c'est qui m'a vu là? Il y a personne là derrière. Alors. Moi, je m'en bats les couilles, hein, j'y vais. Oh putain, ça marche. Bon, lui, il est un peu con là au milieu. Alors, vous savez quoi? Je vais demander de l'aide, des renforts. On m'en sert jamais alors que c'est assez utile. Bien joué. Ok, plus qu'un. Vous voyez, c'est plus rapide comme ça. Où est le dernier? Ben, il est là. T'es fini, pauvre naze. Ouais, je suis fini. J'ai tué la moitié de ton groupe. Enfin, j'ai tué tout le monde, d'ailleurs. Allez, vas-y, viens. Allez, viens. Viens par là. Oh, bien joué. Putain, j'ai esquivé, pourtant. Allez, viens. Allez, viens. Mais... Ah non, mais putain, mais je me trompe de touche. Ouais, tu m'étonnes. Allez, viens. Bon, l'IA, il y a quand même encore du travail. Hein. Il y a encore du boulot à faire avec l'IA, quand même. Mais bon. C'est pas si grave, c'est pas si grave. Où tu vas? Où tu vas? Tu as peur? Allez, comment je vais te tuer? Aucune idée. Je me cours tellement de touches à chaque fois. Le bouquet final. Ok. Reste plus qu'à entrer. Alors, comment on rentre déjà? Il doit bien y avoir une entrée. Il doit bien y avoir une entrée quelque part. Je dois avoir des visions. Ce mécanisme soulèvera la porte. Ah, à chaque fois j'oublie. Allez, voilà. Je m'attendais pas à ça. Il doit y avoir autre chose. Mais non, y a rien. Alors. Un camion. Bah alors, y'a rien là? Il doit bien y avoir une entrée, trouver un moyen d'entrer. On va trouver un moyen d'entrer. Attendez, si je pouvais rentrer là, c'est pas pour rien. Ah putain, quel con, j'ai pas vu les pas. J'ai pas vu les pas. Okay. Des empreintes qui disparaissent. Ok. Des empreintes qui disparaissent parce qu'il y a un passage secret. Non. Ou alors ils sont montés dans un véhicule. Ou l'un ou l'autre. Le bouton interdit, un vieux classique. Faut que j'appuie dessus. Alors voyons. Qu'est-ce que j'ai dit? Les données du réseau. Les appels vidéo vers le raft proviennent bien d'ici. Donc je coupe la connexion, je flingue l'ordi
et leur chef peut plus donner d'ordre. Exactement. Exactement, amigo. Ils plantent dans un sous-sol glauque où ils ont imaginé tout leur plan diabolique pour détruire Harlem. Voilà, voilà. Comment ils font pour avoir la fibre ici? Ils s'en fichent vraiment qu'il y ait des blessés. Du moment que leur patron a ce qu'il veut. Alors, qui est le patron? C'est pas Fisk par hasard, non, le patron? Maintenant que j'y pense. Maybe. Même sans avoir braqué la banque, leur patron a plein de thunes. Je pensais que c'était Rhino, mais bon, Rhino, il a pas de cerveau, donc bon. Peut-être que c'est Fisk, on verra. Le fils de Nord, Caleb, la centrale électrique, tous les endroits qu'ils ont attaqués. Argent, territoire, emprise. Ce type veut la totale. Attendez, en fait, j'aimerais pas déclencher le script principal, du coup. On fouille un petit peu. Quelqu'un a sorti le téléobjectif? Ils veulent me débusquer. C'est pour ça que Pete me dit toujours de garder le masque. Sûrement un nouveau Spider-Man, le boss a dit de le trouver et de le tuer. Pas la peine que je leur laisse ça. Vous avez déjà du mal à tuer le premier, les gars. Alors, pour tuer le deuxième... Ça va être compliqué. Hein. Bon, à mon avis, c'est Fisk. Ça peut être que lui. On va voir. Tu m'aides à lancer une attaque hybride? Ouais, mais commence par essayer V-A-N-E-2-S-A. Vanessa? Si cet ordi appartient à qui je pense... Fisk. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je le savais. Oh merde. Fisk? Je le savais, mais j'en étais sûr. Un gamin en costume. Qui se prend pour Spider-Man? Je peux couper la connexion d'ici. Toi, continue de l'occuper. Fisk. Ah là 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 là. J'ai mis fin à vos activités à Harlem. Fichez le camp de mon quartier. Ton quartier? Comme c'est touchant. Tu vas vite apprendre que si tu me provoques, ceux que tu veux protéger sont les premiers à souffrir. Je me disais aussi que Rhino c'était compliqué. J'en sais rien. Mais il faut qu'on le découvre. Bon, en tout cas, Fisk toujours autant de la classe. Je devrais retourner au parc et dire à Ellie que je me suis occupé de ces types. Bon, maintenant qu'il y a Alan, est-ce que je continuerai pas un petit peu la quête principale? Une fois que j'aurai fini ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. En même temps, je suis pas très fatigué. Miles, Ellie vient de m'écrire. Les hommes de Fisk attaquent le CJ Walker Park. Ils sont encore là, eux? Il y en avait qui traînaient encore dans le quartier. Dépêche-toi. Ils agressent les participants de la fête. Très bien, Ellie, tu arrives aussi vite que je peux. Ouais, bah je ferai peut-être une quête principale. On va voir. On va d'abord finir ça. J'aurais pu faire scénariste, hein. Je devine à chaque fois c'est qui les méchants, c'est qui... Enfin, à chaque fois j'ai ce don pour deviner, quoi. C'est ouf, quand même. Quand est-ce que j'aurais tort, putain? C'est incroyable. Bon, c'est que dans Game of Thrones, parce que je me trompais, mais bon. Là, pour le coup... C'était pas pareil. Si tu veux, arrête, t'inquiète pas, je connais le jeu par cœur. Non, mais ça va, là il est tôt, hein. Là il est que minuit 13. Je peux jouer encore, hein. Il est tôt. Bon, on y va. Tu vas continuer à le suivre comme un chien ou tu vas te détacher de lui au bout d'un moment? Non, ils ont pas l'air de vouloir se détacher. Très bien. Ouais.
Bon, bah écoutez, on va se les faire. Hein. Ah non, d'accord, très bien. Pas moi. Hey, qui est là? Restez sur vos gardes. C'est quoi? Il est là quelque part. Bah non, je suis pas là. Pas moi. Hey. Vous auriez pas dû mettre les pieds dans mon quartier. C'est pas moi. C'est Spider-Man Miles Morales. Mouru. Merde. Oh non, ils m'ont vu. Je suis une merde en infiltration. T'inquiète pas Coco, c'est moi le meilleur. Ça me dérange fort. Bon ça va, il y en a qu'un. J'arrive. Attends, viens, viens, voilà. Voilà. Je me gourre à chaque fois de touche. Miles, j'ai des nouvelles d'Ailey. Elle a vu qu'à sortir tout le monde attend. Il se cache dans une épicerie pas loin. Ne vous voyez pas, j'ai eu peur. J'ai dit à Ailey de garder tout le monde à l'intérieur jusqu'à ce que j'en ai fini avec ses tirs. Ça marche. Dale, rapia. Normal, t'es nul. Barrez-vous de chez moi. Je vais te défoncer le crâne. Non, tu vas rien faire du tout. Je suis gentil, moi. Ça suffit, les gadgets. Harlem a pas peur de minables comme vous. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On peut rien faire, il est trop loin. Oh, attendez, je vais essayer un truc. Et voilà. Il est pas mort, loul. Ok, allez, tout cas. Mais alors. C'est où je suis? Je suis là. Vous êtes pas au courant? Spider-Man est le protecteur de Harlem. Ouais. T'en fais pas pour ça. Vraiment, il y a un Spider-Man qui protège New York depuis que je suis petite. Mais en avoir un ici, qui me protège moi, ma maison, oh, c'est important. Aussi ma maison. Loin de moi l'idée de me moquer, les gars.
C'est humoristique. Bah alors. Si jamais tu as froid quand tu te balances, ça rend mieux sur toi que sur moi. J'en doute. Au revoir, Ellie. Ah, comme quoi les filles, il suffit de les sauver pour qu'elles tombent amoureuses. Nom de Dieu. Kratos, quelle puissance! Bon. Ah non, mais je vais vraiment garder ça en plus. Ah non, mais c'est moche, hein. Quoi? Ah non, 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 non. Grâce à nous. Il me répond pas non, Miles, grâce à toi. D'accord, t'as raison. C'était un travail d'équipe. Ah mais c'est bien beau ça, mais je vais pas non plus garder. Alors, ça. Hein. Ça fait quoi d'être l'araignée sympa du quartier? Je vais pas te mentir, ça coule. Oh, j'ai failli oublier de te dire. Danica Hart a entendu parler de nos exploits. Elle veut que je participe à son émission. C'est énorme. T'es nerveux? Nerveux? Non, pas du tout. Mais comment je vais m'habiller? Je crois pas que ce soit important, vu que c'est un podcast. Oh, et si elle entend que je suis en pyjama? Ou qu'elle veut activer la webcam? Oh là là, vite! Il faut que je me prépare. Bon, salut. Ouais, salut. En tout cas, ici, la déco est franchement sympa. C'est à moi que tu fais coco! Oh, Dédé! Je dois me remettre à chercher une fois. James Slater, me voilà. Alors. Arrête de faire n'importe quoi. Kratos, mauvais. Oui, j'avoue. Kratos, quelle puissance. Kratos contre Spider-Man, qui c'est qui gagne? Ah, je sais pas. Un demi-dieu contre un homme araignée. Non, je pense que c'est Kratos, hein, quand même. Bon, comment j'enlève cette merde? Pas... Non, mais attends, je vais pas non plus mettre un balai ça, hein. Comme... Non, mais oui, non, mais non, mais non, enlève. Quoi? Mais non, je vais être obligé d'avoir ça? Mais non. Mais j'ai pas envie. Ah, non, là, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, dans tous les cas, je vais reprendre ça. Mais bon. On peut l'enlever, ok. Alors, augmente la quantité maximum d'énergie de camouflage vous permettant de demeurer invisible plus longtemps. Ça, c'est bien, ça. Bon, à moi, ça me sert à rien, mais c'est quand même sympa. Vous vous souvenez tous de Wilson Fisk, le soi-disant baron du crime. Apparemment, il vit comme un roi en prison, et sa cellule est plus confortable que l'appartement de Jared. Il y a un feu rouge. Et pendant ce temps, ouais, ses avocats font appel de sa condamnation. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une justice. On devrait voir les feux. En effet, un article du Daily Bugle révèle que les ruines de sa tour Fisk, qui doit être démolie dans le courant de cette année, ont été envahies par quelques squatteurs. Quelle ironie du sort de voir que ce bâtiment tapalé, érigé par un homme qui s'est toujours cru au-dessus des lois, est maintenant pris d'assaut par des parasites. Tu passes au vert ou quoi? Spider-Man va bientôt y installer son quartier général si ça continue. Bon, alors, hein, qu'est-ce que ça fait d'être le dindon de la farce, Wilson? Non, Jared, ça n'a rien d'obscène. Ouvrez un bouquin! Y a pas des voitures qui roulent là, sans déconner? Ah, là-bas. Je sais pas si ça vous l'avez vu, mais en fait, il y a les feux clignotants. Je savais pas qu'il y avait autant de marchés ici. Et c'est vachement sympa. Bon, après, c'est rien. Hein. Mais c'est qu'un détail. Là, là, regardez. Hop, à gauche. Et voilà. Pas grand chose, hein, mais c'est quand même sympa. Là, regardez. À gauche. L'appui reçoit des signalements au sujet d'un hélico incontrôlable. Fais gaffe à toi. Ah bon, là, il y a un feu rouge, du coup, il peut pas... Voilà. Ta gueule! Attendez, un hélico... quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Il y a un hélico qui fout la merde. C'est ça, hein. Il y a un hélico qui fout la merde. Ah bon?
comment je le baise lui? Oula, ouais, comment je... Vous devez atterrir! Je peux pas! Quelqu'un a brouillé les commandes! Oh putain. C'est des QTE, d'accord, c'est bien. Oh mais je fais quoi là, putain, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah d'accord. Il y a des ennemis là aussi. Quoi? C'est des livres ça. Vous pouvez pas vous empêcher de me filer du boulot. D'accord. C'est encore vous les gars, putain, mais elle... Vous pouvez pas arrêter de foutre la merde un peu dans la ville de New York ou quoi? Toujours à casser des couilles, vous. Oh merde. Kratos, quelle puissance! Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tu ne sais pas? Je vais te la prendre. Tiens, regarde. Paf! Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je dois désactiver l'émetteur. Alors, comment on enlève l'émetteur? Je dois refaire ça encore deux fois. Bon, t'aurais pas pu le faire une fois, non? Putain, trois fois. Oh là là. Pas casse-couille. Bonjour. Camouflage. Pas faire comme ça, non? Non, ça marche pas. Coucou. Tu me vois pas? Mais non, tu me vois pas, regarde. La voix de Lambert. Oh, ça fait longtemps que j'ai plus entendu sa voix. Lui. La voix de Lambert dans Splinter Cell. Bonjour New York. C'est là qu'à la fin du jeu, on voit que le méchant va essayer d'être cool. Oui. Ok, il est temps de s'occuper des metteurs. Piratage contré. Bon alors, c'est bon. Je pensais jamais dire ça, mais... Merci Spider-Man, tu peux y aller, pour cette fois. Ok, c'est la voix de Lambert, mais pas de crash en plein centre-ville cette fois-ci. Ah oui, putain, ouais, c'est par rapport au début du jeu. C'est la voix de Lambert, mais il joue aussi des méchants. Il double aussi quelques méchants, sauf que je l'ai pas bien reconnu. Les amis, les petits commerçants sont le pilier de l'Amérique. Et J. Jonah Jameson est leur plus fervent défenseur. Mais ils ont aussi un ennemi. Spider-Man. Mais non, je suis pas ton ennemi. Oh. Mais je t'ai sauvé 50 000 fois. Espèce de con. T'avais raison, Gonki. L'underground est partout. Ils vont peut-être se faire undergrounder. Travaille ta taille. C'est drôle. C'est pas drôle. Barrière électrifiée. Et pas qu'un peu. D'après ta tenue, tu t'es mangé. Ah bah là on. Et t'as juste fait rail. Faudrait peut-être que t'appelles. C'est quoi son nom déjà? Cole. Faudrait peut-être que t'appelles Cole dans Infamous.
Bon. T'as une piste sur la source d'alimentation ? Plusieurs. Oh putain, ils sont nombreux, oh là là. Barrière électrique, ça plaisante pas. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Quel culot ! Les gens nous respectent. Oh ! Les gens nous respectent, on pas dit. On y arrivera. Temporel avec moi. Comment voulez-vous que je la joue en mode furtif, sans déconner? Je peux en tuer encore un autre, mais bon. Ouais, on peut tuer lui là. Et franchement, je suis pas très bon en mode furtif, moi sérieux. On va le démerder comme on peut. Allez. Est-ce qu'il sent merveilleux quand il ferme les yeux? Bah les gars, on y va, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez. Sympa ton nouveau squat. Y'a pas un fantôme quelque part? Il nous a suivi. On va mourir, oui. Pas Spider-Man, je suis Spider cochon. Maintenant je dois vider ce générateur. Ok, j'en ai vidé un. Tout va bien. Putain, autres, alors. Non. Pas 3. Mais 4. Putain. Oh là là. J'arrive pas à croire qu'on doit encore se méfier de Spider-Man. Tu sais. Je vous avouerai, désactiver des générateurs, c'est pas le top. Hein. Mais bon. Spider-Man, 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 ça va, c'est pas ma faute si vous êtes nuls aussi, hein, les gars. Hein. Vous êtes nuls, les gars, vous êtes nuls, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes nuls, c'est comme ça. Bon, on s'en occupe ou pas de lui? Bah écoutez, j'ai pas le choix. Je suis Spider cochon, on l'a dit. Spider cochon. Spider cochon. Il peut grimper au plafond. Il peut faire une toile. Bien sûr que oui. C'est un Spider-Man. Hop là, ta gueule. On va t'arracher pour foutre là, ça va. Cool, cool, ça avance bien. Ouais, cool, 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 encore deux, hein, je crois. Hein. Allez, vous êtes un peu moins nombreux en haut, s'il vous plaît. Un peu moins, s'il vous plaît, un peu moins. Juste un poil. Mais vous êtes là. On était désorganisés. Ah, ça va. Ouais. Que deux. Les gens nous respectent. Je t'ai. Ah non, d'accord, vous n'êtes pas que deux en fait. Parce que je suis monté sur le toit. Et. Ouais. D'accord. James. Venez voir ce qu'il fait. Ok, je vais voir. Ah, première fois que j'ai ça, tiens.
que l'IA se demande. Méfiez-vous. Qu'est-ce que son pote devient du coup? C'est marrant. Première fois que j'ai ça depuis le début du jeu. J'arrive. Quelqu'un là? Non mais franchement, là que je... Bon. On commence par elle. Ensuite, à toi. Et enfin, on se planque. Non, je t'ai planqué. Pas grave. Il est mort ou pas? Enfin, il est pas mort, mais... Il est où? C'est quoi ça? Bon, ça c'est un bug, ça, on est quand même d'accord. Ah non! Oh putain, c'est bien fait! Oh, pas mal. Ah ok, d'accord. Bon. C'est plutôt bien fait quand même, hein. Ça va. Pas mal ça. Spider cochon, mais il est pas mal. Ah, et plus qu'un. C'est un nombreux là-bas en plus. Alors, où sont les snipers? Quoi? Qui m'a vu là? Ah, il y avait un mec en haut, putain! Pas vu toi. Ouais, t'as vu comment c'est. Enfin, je sais pas, c'est drôle des fois. Allez, je me fais cette mission tranquillement et puis après on va aller dormir tranquillement aussi. C'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien ce jeu. Après, c'est pas si compliqué. Ils ont repris le même gameplay que le 1. Ils ont juste mis ce personnage là. Et puis voilà. Mais la mise en scène est sympa. Bon, le scénario, c'est pas le point fort du jeu. Mais enfin, c'est pas le point fort. Mais je trouve qu'on voit son évolution quand même à Miles. Et je trouve qu'au début, bon, il est pas très convaincant. Et puis je pense qu'à la fin, ça va devenir un mec hyper fort, quoi. Parce que c'est pas pour rien si ont fait des BD sur lui. Hein. Oh, bien joué. Bien joué. Ah, j'ai trop de mal là. Ok, je me fais éclater depuis 10 minutes là. Vous pouvez vous calmer? Merci beaucoup. Non, calmez-vous, j'ai dit. Mais bordel! Je vais mourir! Moi, je suis mort. Très bien. Kratos, quelle puissance! Quelle puissance! Bon, c'est ma faute. J'ai mal joué. Le générateur, c'est bientôt fait. C'est ma faute. Aucun souci. Pourquoi c'est ma faute? Parce que tout simplement, j'ai les drones et je m'en sers pas. Parle pas que des drones d'ailleurs.
commence à être un peu fatigué aussi, donc je viens vous avouer. Je fais la mission et puis après on s'arrêtera là. Merde. Aïe. Mais aïe. C'est qui me baise en fait exactement là? Tiens. Ah ouais, j'avoue. Non non mais c'est vrai hein. Je confirme. Ok, toi t'es le plus casse-couille. C'est un épée à la con là. L'épée de Devil May Cry, il est très casse-couille. Mais en plus, putain, mais tous les coups partent à côté, c'est chiant. Il est où? Je sais même pas où il est. Putain, il est hyper chiant lui, bordel! Tu peux mourir encore, attention hein! C'est pas dit hein! Sérieux, c'est nul comme projet. Je vais mourir. Non mais les gars, je vais mourir. Je vais encore crever, what the fuck? Bon, attends, on va se concentrer un minimum. Comment je vais faire? J'ai esquivé hein. Voilà. Oh non, j'ai plus la compétence. C'est à toi. Voilà, nickel. Ça va aller. On a géré. Allez, plus qu'un. Allez, réflexe. Et voilà. Bon, j'avoue, je me sers pas du camouflage, hein, encore une fois, mais bon. Je préfère me la jouer normale que faire ce camouflage. Bon, après, c'est utile, hein. Et voilà. Ça a marché. La barrière n'est plus alimentée. Paris pour la destruction. Détruire la barrière. Camouflage activé. Niveau d'énergie critique. Pneumatique. Par là, ça menait au grand auditorium. Mais c'est bloqué. Oups. Il y a peut-être un escalier. Ou un ascenseur. Un escalier, un escalier. Si j'arrive à le soulever. Il était là-bas, dans la salle de bain, dans la salle de bain. Oh, 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 putain de merde, il m'a niqué ma race. Chaque fois, j'oublie. Si, je pense à un truc. Et si tu disais à Finn que tu es Spider-Man? Hey, Finn. Non seulement je t'ai menti pour rejoindre ton club, mais en plus c'est moi le relou qui essaie de t'arrêter. Ouais, tu parles d'accord. Comme ça, là. On va bosser sur la formulation. Non mais c'est là que il parle et que la meuf entend quoi. C'est con quand même. Un silo blindé géant, c'est prometteur. Bon, ça sent la reine de boss hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça sent une arène de boss là. Bon, alors, j'ai vraiment l'impression d'avoir une bécane préhistorique à côté. Ouais. Finn s'est fait un vrai QG de super vilain. Tu vois cette espèce d'énorme container blindé? C'est pas louche du tout. Tu crois que le Nuform est là-dedans? J'ai un pressentiment. Moi aussi. Il y a plusieurs câbles qui s'éloignent de ce container. Je me demande si... Bon, par contre les gars, on va pas faire ça tout le temps non plus. Hein. Il
Les deux, hein. Tu dois alimenter les autres. Ça commence à être un peu casse-couille. Alors, pourquoi tu penses que je devrais dire à Finn que je suis Spider-Man? Tu crois pas qu'elle va le prendre un peu mal? On va faire une liste pour ou contre. Pour, c'est ta meilleure amie. Enfin, après moi. Contre, c'est Tinkerer. Pour, lui parler sera plus facile que de magouiller des trucs dans son dos. Contre, l'autre Spider-Man a été super clair. Ne révèle ton identité à personne. Tu me l'as dit à moi. Peut-être que si elle sait que c'est contre toi qu'elle se bat, elle reviendra sur cette histoire de Tinkerer. Oh non. T'as peut-être pas tort. À mon avis, c'est une très mauvaise idée, mais bon. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Qu'est-ce que je dois faire, là? Cette cloison tient pas debout. Ah bon? C'est tout dans cette cloison. Finn a fabriqué de nouvelles armes pour lutter contre moi. Elle a dû dire aux gens de l'Underground de me garder à l'œil. Ouais. Alors. Comment on fait, là? Ah putain, c'est un... C'est en bas, en fait. Attends, on va faire comme ça, alors. Voilà. Okay. Et de deux. J'espère que j'ai eu une bonne idée. Qu'est-ce que tu risques, au pire? Eh, hey, moi, je suis pas derrière un écran. Bah, qu'est-ce que je risque? Je risque de me faire tuer. Je risque de pas la ken, aussi. C'est possible. On a quand même pas mal de risques, hein. Pas mal de choses qui vont pas, hein. Si on dit ça. Y a personne ici. Bon, après tu me diras. Enfin, je sais pas. D'un côté. C'est compliqué. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un message masqué? Ce message est soumis à un examen. Bon. Bonjour à toi, mec. Ah, oh, bah oui. Ok, mec, ça va. Je te souhaite une très très bonne soirée. Pourquoi le message est masqué? C'est la souris. Important. Ça vaut le coup de les suivre. Cette putain de souris. Pourquoi, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en tout cas, je te souhaite une très très bonne soirée. Et je te dis encore merci, hein, pour que tu m'as pris le jeu, quoi. C'est cool. Du coup, ça me permet de me détendre un peu, parce que tu sais qu'avec tous les événements que j'ai eus, bah, cette année... Je dois rétablir les générateurs pour allumer le montage de Finn. Ça me permet de me détendre un peu, de me changer un peu les idées. Bon, qu'est-ce qu'il veut que je fasse, là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Les générateurs. Ah, d'accord. Okay. Et quelques toiles dans les rouages. Comment ça, quelques toiles dans les rouages? Qu'est-ce qu'il me chante encore? T'inquiète, et semaine prochaine, va là. Ah, ça c'est cool. Là c'est sûr, allez, je te laisse, prends soin de toi. Ouais, t'inquiète. Ça va aller. Ça va aller, mec, ça va aller. Alors, maintenez L2 pour viser et appuyer sur un. Je peux quoi? Le générateur avec ma tenue, j'ai pas compris. Mais le mécanisme, c'est... Ah, bah c'est ça le mécanisme, non, je me... C'était de l'autre côté. Je suis peut-être trop con aussi, hein. C'est possible. C'est pas bon, ça. Super. Une belle voie dégagée pour le générateur. C'est bon. On a géré. Finn lance Roxxon sur de fausses pistes pour qu'il ne les trouve pas. Elle est l'uniforme. Elle est maligne. Allez, go. On fait ça, puis on s'arrête.
nettoie le con. Ah là. D'accord. Ok. Les décors sont levés. Mais il faut encore que je connecte le générateur. Mais d'où à d'où? D'où à d'où exactement? De là à là? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ou pas? Je comprends pas. Mais je comprends pas, j'ai fait ou j'ai pas fait? What the fucking hell? Maintenez L2 pour viser et appuyez sur R1 pour lancer une toile conductrice. Oui, mais de où à où exactement? Je comprends pas. Bah, là, j'ai fait déjà, non? Donc de là, peut-être, non, non, ok, c'est pas là. De où à où, mon coco? Je sais pas, moi. Si tu me dis pas. Là. Ensuite. Et bien ensuite, j'en sais rien, coco. J'en sais rien. De là à... Ah, je ne sais pas où. Ah, d'accord, ok, je dois faire comme ça. Maybe. Non. Du coup, je suis bloqué. Putain, il y a mon pote Talan qui se barre au moment où est-ce que, où est-ce que je suis bloqué, quoi. Incroyable. Alan, reviens. Putain. Je suis bloqué au moment. C'est dingue. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je comprends pas. Mais de où à où je dois? Ah peut-être... Mais voilà, putain, quel con. Quel abruti. Les gars, excusez-moi. Je suis con des fois. Là alors pour le coup c'est vraiment pas, non non, là c'est moi, vraiment, je suis vraiment con des fois, hein. Par moment. Et voilà le travail. Allez, le super ordinateur de Finn. Ah ouais, ça sent l'arène de boss, c'est obligé. Alors qu'est-ce que tu mijotes, Finn? Finn injecte de l'énergie dans le Nuform. Ça le rend instable, comme avec ma bioélectricité. C'est ce qui a fait sauter le pont. Et alors, elle veut quoi? Elle veut faire exploser l'opéra? Pas le James Theater. Roxanne Plaza. Waouh, quoi? C'est... Mais elle est malade! Elle a pas encore ouvert. Donc il y aurait pas de blessés. Mais je peux pas la laisser faire. J'embarque le Nuform. Lee ? Non, non, non ! Dispersion ! Il est pas loin ! Je dois récupérer le Nuform. Mais d'abord, je dois vaincre son armée de Lucioles. Je dis ça, je dis rien. C'est mais peut-être un petit clin d'œil. Finn ait raison et que ce soit le meilleur moyen de battre Roxanne. Finn parle pas de casser quelques vitrines. Elle veut carrément détruire tout un immeuble de ma rue. Si son plan part en sucette, il y aura des blessés. Je peux pas la laisser prendre ce risque. T'as raison. Sortons ce Nuform d'ici. Ouais, j'ai dit, c'est peut-être un petit clin d'œil avec The Last of Us par rapport au Lucio. J'en sais rien, les gars. Peut-être moi qui vois ça de partout. C'est peut-être moi qui vois des clins d'œil de partout. Écoutez. Que Beth est tombée malade sur le pont. Tout le monde le sait. Si tu respires du Nuform, tu crèves. Si on donne le Nuform, on peut passer à autre chose. Il a fait son plan. En gros, là-haut. Putain.
Ah putain. C'est un bordel. C'est un bordel sans nom là. Bon, le camouflage. Bon, il faut que je m'en sers. Ah oh, je vais éclater par tout le monde là. Camouflage, camouflage, nickel. Allez. Ah merde, j'aurais dû. Enfin, on est tous les quand même. Saloperie de fils de pute. T'inquiète. Je m'approcherai, quoi que tu en dises. Niqué en froid. Waouh, ça fait mal quand même. Ben oui, bien sûr. Logique. Ah oui. Bon, je vais mourir. Je vous préviens. Allez, allez. Il y a tout pour qu'on classe tout foutre en l'air.
sieste. Putain, lui avec son bouclier, il est très casse-couille. Steph, t'es là? Allez voir si elle va bien. Je me rappelle Crow Zero. Je vais t'éclater. Dors bien, mec. Spider-Man, il est bon. C'est vrai en tout cas. Ok. Le nuforme maintenant. Ok. Doucement. Oh non! Ah là, je le savais. Je te laisserai pas prendre ça! Allez. Je veux juste parler. Tinkerer, arrête. C'est quoi cette phrase? Ouais, Ganky, j'ai croisé Finn. Qu'est-ce qui se passe? Elle a chopé le uniforme. Je la poursuis à travers Manhattan. Oh non, ça craint. J'ai esquivé, merde. Tu vas l'arrêter. Petit 1, je l'attrape. Petit 2, je te rappelle. Oh, bouge, bouge, bouge. Attends. C'est une histoire entre Roxxon et moi. Je propose qu'on discute. Je te propose d'arrêter de me connaître. Il est même pas fatigué. On est grave dans la mouise. T'es où là? J'en sais rien. J'évite des explosions. Il faut une nouvelle stratégie. Je vais faire ce que tu m'as dit. T'as voulu dire la vérité? Ouais. Dès que je l'aurai rattrapé. Mauvaise idée. Faut que je te dise un truc, ralenti. Tu me prends pour une débile? Non mais c'est important. Je te promets. Dégage, Spider-Man. Bon, c'est vraiment prévisible hein, qu'ils vont s'allier. Ouais. Oh putain! Oh putain, c'est bien fait ça! Oh, c'est bien fait! Oh, de la mise en scène! Oh là, je kiffe! De la mise en scène, enfin! Ça fait plaisir! Un petit peu de mise en scène! Ça fait longtemps! Dégage de là! Oh là, c'est sympa! Oh putain! Mais j'ai esquivé, merde! Comment on fait? Donne-moi une bonne raison de pas t'achever. Ma mère t'en voudrait à mort. Miles. On pourrait pas... Vous deux sur le toit, pas un geste. Je
Ça aurait pu se passer mieux. Ah, sympa. Peut-être toi. Alors, ça s'est passé comment avec Finn? Pas terrible. T'es toujours à la porte? Non, je suis chez moi. Mes parents rentrent la semaine prochaine. Je voulais ranger un peu. Mais je peux revenir? Non, c'est pas grave. Je te rappelle plus tard. Comment je vais faire? Salut, oncle Aaron. Je voulais... J'aurais besoin d'un conseil. À quel sujet exactement? Bah, à peu près tout. T'as du temps? Je peux me dépêcher de finir. Je t'appelle après. Super, merci. À tout à l'heure. J'ai aucune idée d'où sont Finn et le Nuform. Je vais m'occuper en attendant qu'oncle Aaron soit dispo. Là, il faut rien à faire. Bon les gars, on va s'arrêter là. J'espère que ce live sur Spider-Man vous aura plu. Spider-Man Miles Morales. Non, un jeu vraiment sympa. Voilà, je fais ma petite conclusion. Malgré mon état, je peux quand même vous dire que c'est un bon jeu. Encore une fois, hein, c'est comme The Last of Us. Hein, si j'arrive à prendre... Oh non, pas toi. Spider-Man. Chut. Si un jeu comme ça me donne le sourire alors que dans l'état actuel où je suis, c'est pas trop la forme. Bah, c'est que c'est un bon jeu. Voilà, c'est clair, c'est tout. Et comme le premier, bah je vous le dis, c'est un bon jeu, tout simplement. Voilà les gars, je sauvegarde. Je sais pas si vous voyez que je sauvegarde, j'en sais rien. Je m'arrête là, et j'espère que ce petit live vous aura plu. C'était le dernier sur Miles Morales. Le prochain sera sur Assassin's Creed Valhalla. Et je ferai la découverte avec vous. Voilà. Allez les gars, portez-vous bien. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous verrez cette rediffusion. Ciao tout le monde. Bye bye. Chasse un malfaiteur causant des millions de dollars de dégâts. On n'a pas encore fini d'évaluer les dommages causés par Rhino et l'effondrement du pont, et voilà que l'apprenti menace nous fait le coup du chapeau avec son meilleur ennemi, Tinkerer. Vous savez quoi? On devrait les mettre dans la même pièce, ces deux-là. Dans la même cellule, en fait. Pour qu'ils règlent leur compte en privé. Et surtout, le plus loin possible de New York. Et là, je parle pas de Jersey, je parle plutôt de l'Oregon. Ou même de l'Alaska. Comme ça, je pourrais peut-être enfin regarder Top Chef Wakanda tranquillement, sans être interrompu par quelqu'un qui arrache l'escalier de secours de mon immeuble. D'ailleurs, ça me fait penser... Jared, vous avez programmé mon magnéto? Allez les gars, ciao. Portez-vous bien. C'était Coloredo. Pour un live sur The Last of Us. Sur Spider-Man, excusez-moi. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.